Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette huitième partie du décryptage du numéro spécial The World In 2021 du magazine économique hebdomadaire The Economist. Alors, épisode de décryptage consacré à deux images symboliques, notamment le drapeau américain symbolisé par un éclair et son déchirement par un éclair, et l'image du dollar à contextualiser dans ce que nous vivons en ce moment, sans oublier en primordialité l'origine de ces deux choses et leur signification, quoi, et leur symbolisme, qui sont intimement liés, bien sûr, le dollar ici et le drapeau américain. Alors bien sûr, ici on a l'image de Biden. C'est pas pour nous rassurer, ce sourire, il y a du dos. J'enregistre, il est à peu près 16h, il est en train de faire un discours en ce moment aux Nations Unies. Et puis ici, c'est aussi un certain symbolisme du crash boursier, hein, d'un possible crash boursier en septembre ou en octobre dont je parlais précédemment dans mes vidéos. Donc il faut faire extrêmement attention. Malheureusement, on a des informations complémentaires qui vont en ce sens, et c'est malheureux. On a Evergrande, notamment, qui est quasiment en défaut de paiement. On va voir ça, on a un lien. Il faut faire attention, hein. Il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre ce genre d'informations à la légère. Et puis on a aussi Janet Yellen, qui dit un risque de défaut de paiement. Elle est par des USA, bien évidemment, puisqu'elle est dans l'administration américaine. Mais attention, elle parle d'un défaut de paiement, peut-être aussi Evergrande, parce que tout est lié. Et la chute de cette entreprise chinoise, qui ne sera pas soutenue apparemment par le gouvernement chinois, eh bien, peut faire s'écrouler le dollar. Ils sont dans la symbolique de l'yuan, de la chute, possiblement du dollar. Ça, c'est intéressant, là, cette chute du dollar. Ici, si on est dans une compréhension symbolique à la suite, et puis l'émergence de la Chine. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, chute de dollar et émergence de la Chine. Un drapeau chinois qui n'a pas d'ombre. Donc c'est comme si on tenait la séquence finalement. Hein? Ici on tient la séquence, ça ne bouge pas. Et ici aussi, on a l'impression que le drapeau n'a pas d'ombre. Il n'a pas d'ombre. On pouvait un peu le symboliser, mais c'est fait exprès, je pense, par rapport à ça. Et juste après, on a ici un graphique qui parle de cette séquence. Donc, c'est une séquence très symbolique au niveau de ce qui se passe en ce moment. Alors ici, effectivement, on nous dit d'insérer des fonds stimulants au niveau des imprimantes. Et très clairement, s'il n'y a plus d'imprimantes, de toute façon, malheureusement, une monnaie fiduciaire, ça on le sait, ça finit toujours par s'arrêter, mais la question c'est comment. C'est comment les choses vont se dérouler, hein, c'est plutôt ça. En réalité, c'est pas il y a un crash, malheureusement c'est cyclique, les choses sont cycliques, et c'est ce qu'on va voir aussi. Le symbolisme du S, du serpent, là, les choses sont très claires avec les deux barres. Les choses sont cycliques, et c'est quand même extrêmement important de le comprendre, tout simplement. Puis on a des points d'interrogation, peut-être que le point d'interrogation c'est comment les choses vont se dérouler finalement. Ça peut être ça aussi. Donc c'est quand même important à le signaler. Alors, bien évidemment, c'est une longue vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Cette vidéo, elle est longue, bien sûr. Vous pouvez faire des pauses, mais bon. Selon vos commentaires, on sait que ce sont des vidéos toujours passionnantes. Beaucoup de travail a été fait pour cette vidéo, comme beaucoup de choses. Il y aura aussi des liens complémentaires. J'espère avoir de la place pour mettre les liens complémentaires, parce que c'est extrêmement important. Bien évidemment, toujours la quintessence. Par ailleurs, mes excuses par avance, hein, pour les divers problèmes techniques qu'ils peuvent avoir, bien sûr. C'est une longue vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle séance de vidéo de décryptage. Toujours humble pour le collectif, ce sont des informations complémentaires à partager au plus grand nombre. Alors, bien sûr, hein, pour comprendre de quoi on parle, et ensuite de développer une situation sociétale du pays. Hein,
la signification et les termes importants qui en surgissent du drapeau américain. Sur usa-legende.com, ouais, il y a beaucoup d'onglets. Hein. Ça va être certains onglets sont en lecture immersive, tant mieux. On va en profiter. Alors, de quoi est-ce qu'on parle par rapport au drapeau américain avec le second mouvement Allegretto de la 7e symphonie de Beethoven qui nous accompagne. Premier drapeau national non officiel. Après le début de la Révolution américaine, le premier drapeau national non officiel, connu sous le nom de Continental Color, ou parfois Grand Union Flag, Cambridge Flag, Somerville Flag, ou Union Flag a été ici à Prospect Hill à Charleston. Maintenant à Somerville, Massachusetts, le 1er janvier 1776. Il a été hissé à la demande du général George Washington, dont le quartier général se trouvait à proximité. Concernant le drapeau de l'Amérique de cette époque, la question qu'on peut se poser est combien y avait-il de bandes sur le drapeau américain ? Celui-ci avait 13 bandes horizontales, probablement de rouge et blanc, ou de rouge, blanc et bleu. Et dans le canton, la première version du drapeau de l'Union britannique, à l'Union Jack, en tant que drapeau de l'armée continentale, il flottait sur les forts et sur les navires de guerre. Ça ressemble un peu à l'Australie, ça. À peu près. Itération du drapeau pendant la guerre d'indépendance. Un autre drapeau populaire des débuts, celui des Fils de la Liberté, Sons of Liberty. Intéressant par rapport à la saga Metal Gear et Snake, justement, le S de Snake, du serpent. Intéressant aussi par rapport de là et le jeu vidéo Sons of Liberty, très intéressant aux États-Unis bien sûr. Le jeu ne comportait que 9 bandes rouges et blanches, diverses versions des drapeaux à bandes en fret, mais figuraient sur de nombreuses bannières coloniales américaines du 18e siècle, dont plusieurs étaient arborées par des unités militaires pendant la guerre d'indépendance. Donc on voit le drapeau Don't Fret Me, intéressant, hein. Ce fameux snake, ce fameux serpent à sonnette. Ouais, encore une fois, faisons référence. Intéressant, la version portée par les Minutemen du comté de Culpeper en Virginie, par exemple, comprenait non seulement le serpent à sonnette et la devise Don't Threaten Me, mais aussi les célèbres mots du patriote de Virginie, Patrick Henry, liberté ou mort. C'est quand même assez intéressant. Alors avant d'aller plus loin, une petite digression justement sur Fast Company, premier terme intéressant avec Don't Threat Me, qui est transposé à cette époque par de nombreux manifestants, au Capitole notamment, bien expliqué, sur fastcompany.com par Paul Bruschi. Alors on va voir ce que ça nous donne. Intéressant, les origines indicibles du drapeau utilisé par tout le monde, les partisans de Trump and Nike. Qu'est-ce que ça nous dit ? Arboré par de nombreux manifestants au Capitole des États-Unis, le 6 janvier, le drapeau Gadsden, un design simple et graphique, un serpent en sonnette, enroulé sur un champ jaune avec le texte « Ne me piétinez pas ». Mais cette conception simple cache certaines complexités importantes à la fois historiquement et aujourd'hui. Comme cela apparaît dans les rassemblements exigeant que le président Donald Trump soit autorisé à rester en fonction. Le drapeau est bien né avant la Révolution américaine et ces dernières années, il a été utilisé par le mouvement Tea Party et parfois par des membres du mouvement de milice. Mais il a également été utilisé pour représenter le corps des marines, les États-Unis, la marine américaine, l'équipe nationale masculine de football et une franchise de MLS, Major League Soccer. En tant que spécialiste du graphisme, je trouve les drapeaux intéressants en tant que symbole car ils prennent des significations plus profondes pour ceux qui les affichent. Souvent, les gens utilisent un drapeau, non pas à cause de ce qui est explicitement affiché, mais à cause de ce que la personne croit qu'il représente. Bien que cette signification puisse changer avec le temps et avec sa perspective, comme cela s'est produit avec le drapeau Gadsden. Le début d'un mythe, l'origine du drapeau n'est pas tout à fait clair. Hein. Il semble commencer par une simple illustration accompagnant un essai de Benjamin Franklin en 1754, 20 ans avant l'indépendance américaine. L'image peut être dessinée par Franklin lui-même, dépeint les colonies américaines comme des parties d'un serpent divisé.
indiquant simplement join or die, rejoignez ou mourrez, l'essai qui l'accompagnait abordait la question d'actualité majeure pour les colons britanniques en Amérique du Nord, la menace des Français et de leur allié américain. Ça a changé après. Et ce qui est intéressant, ça va mettre en complément cette vidéo aussi par rapport à Investiture et Destitution, les USA au bord du chaos, la vidéo que j'ai faite en janvier. Donc, information complémentaire à ce moment extrêmement intéressante. Plus tard, alors que la révolution américaine prenait forme, l'image a pris un nouveau sens. Les colons ont hissé divers drapeaux, y compris ceux qui. Y compris ceux représentant des serpents solaires, une créature distinctement américaine censée frapper uniquement en légitime défense. Le drapeau, communément connu sous le nom de First Navy Jack, avec 13 bandes rouges et blanches, et peut-être un serpent à sonnette en bois avec 13 hoches au-dessus des bandes straightening. En 1775, alors que la révolution américaine commençait, le politicien de Caroline du Sud, Christopher Gadsden, a développé l'idée de Franklin, et peut-être aussi le drapeau rouge et blanc, lorsqu'il a créé le drapeau jaune avec un hochet roulé et la même phrase. Ne me piétinez pas. Un symbole réveillé pendant la majeure partie de l'histoire des États-Unis, ce drapeau a été presque oublié, bien qu'il ait eu un certain cachet dans les cercles libertaires. La version First Navy Jack a refait surface en 1976 sur les navires de la marine américaine pour célébrer le bicentenaire de la nation. Et à nouveau après le 11 septembre, bien qu'aujourd'hui ce drapeau soit réservé aux plus longs navires de guerre, à statut actif, son utilisation est restée largement apolitique. En 2006, le slogan et le serpent enroulé ont été utilisés commercialement par Nike et Philadelphia Union, une équipe de MLS. À peu près, à la même époque, cependant, le drapeau a pris une nouvelle signification politique. Le Tea Party, un mouvement républicain anti-impôt dur, a commencé à l'utiliser. L'implication était que le gouvernement américain était devenu l'oppressant menaçant des libertés de ses propres citoyens. Peut-être à la suite du mouvement du Tea Party, plusieurs gouvernements d'État à travers le pays offrent un design de plaque d'immatriculation du de drapeau Gadsden. Au moins certaines de ces plaques facturent des frais supplémentaires pour la plaque spéciale, envoyant les recettes à des organisations à but lucratif. Pour terminer, le drapeau Gadsden est également apparu lors d'autres manifestations politiques, telles que celles qui s'opposent aux restrictions sur la possession d'armes à feu et s'opposent aux règles imposées en 2020 pour ralentir la propagation du coronavirus. Plus récemment, le drapeau a été hissé et exposé lors de certaines manifestations post-électorales, y compris des événements où les manifestations ont appelé les responsables à cesser de compter les votes. Et à la fois, à l'intérieur et à l'extérieur du Capitole, à Washington DC, lors du dépouillement des votes électoraux, mercredi. Parce qu'il est couramment hissé aux côtés des drapeaux Trump 2020 et du drapeau de bataille confédérée, certains peuvent maintenant voir le drapeau Gadsden comme un symbole d'intolérance ou de racisme. Si c'est le cas, son sens original est alors à jamais perdu, mais un thème demeure. À la base, le drapeau est un simple avertissement. Mais pour qui et de qui a clairement changé? Fini l'intention originelle d'unir les États pour combattre l'impression extérieure. Au lieu de cela, pour ceux qui le veulent aujourd'hui, le gouvernement et l'oppresseur. Intéressant. Je reviens à USA Légende pour continuer cette signification du drapeau et d'aller jusqu'au bout. Et ensuite, on aura quand même aussi d'autres termes intéressants à développer. L'évolution du drapeau américain. Le drapeau américain officiel a été composé à l'origine de 13 bandes alternant rouge et blanc et de 13 étoiles blanches dans un champ bleu et qui représentait une constellation. Ceci a été décrété le 14 juin 2017. Donc déjà, un lien intéressant déjà, au niveau des 13 étoiles d'une constellation, bien sûr. A Flag Day, jour du drapeau. Le premier jour du drapeau a eu lieu en 1877 pour célébrer les 100 ans de la résolution sur la bannière américaine. À notre époque, le Flag Day, ou en français journée du drapeau, est l'occasion de le célébrer par le biais de cérémonies, défilés, pique-niques. Tout ceci parrainé par les anciens combattants, les écoles et d'autres associations patriotiques, ce jour privilégié pour but de rendre hommage à la bannière étoilée et à garder intacte la grandeur et l'éclat de l'ancien drapeau des USA appelé Vieille Gloire, Old Glory. L'ancien drapeau des USA, le nom drapeau américain original, fut Old Glory, a été donné à un ancien drapeau américain
grand de 10 pieds sur 17, par son propriétaire William Driver, un capitaine de mer du Massachusetts. Le surnom du drapeau américain Old Glory s'étendit à tous les autres, car le drapeau de Driver aurait survécu à de multiples tentatives de le défigurer pendant la guerre de sécession. Une fois la guerre terminée, Driver était satisfait de voir le drapeau américain flottant au-dessus de la State House du Tennessee. L'ancien drapeau des États-Unis est un artefact principal du Musée national d'histoire américaine et a été exposé pour la dernière fois au Tennessee avec la permission du Smithsonian lors d'une exposition en 2006. Le 3 août 1945, le président Truman a officiellement déclaré le 14 juin, jour du drapeau. L'histoire du drapeau des États-Unis est aussi fascinante que celle de la République américaine elle-même. Il a survécu aux guerres, a inspiré des chansons et s'est transformé au fil du temps en fonction des nouveaux États intégrant l'Union. L'origine exacte du premier drapeau des United States est inconnue. Certains historiens pensent qu'il a été conçu par le membre du Congrès du Nigeria, Francis Hopkinson, et cousu par la couturière de Philadelphie, Betsy Ross. En 1777 et 1960, le Congrès a adopté plusieurs lois qui ont fait évoluer la forme, la conception et la disposition du drapeau des USA et ont permis d'ajouter des étoiles et des bandes pour refléter l'admission de chaque nouvel État. Ajout de nouveaux membres à partir de 1795. Le flag US a changé le 1er mai 1795 lorsque le Congrès a adopté la deuxième résolution sur le drapeau qui exigeait que de nouvelles étoiles et bandes soient ajoutées à celui-ci lorsque de nouveaux États étaient admis dans l'Union. Les deux premiers nouveaux États ont été le Vermont, Kentucky, 1792. En 1818, après l'admission de 5 autres États, le Congrès adopta la troisième et dernière résolution sur le drapeau, exigeant que désormais le nombre de rayures reste de 13, que le nombre d'étoiles corresponde toujours au nombre d'États et que toute nouvelle étoile soit ajoutée le 4 juillet suivant l'admission d'un État. Tel est le système depuis lors, en tout, de 1767 à 1960, après l'admission d'Hawaï en 1959, il y eut 27 versions du drapeau, 25 impliquant des changements d'étoiles seulement. Signification du drapeau américain. Combien d'étoiles sur le drapeau américain? Le drapeau des USA se compose d'étoiles blanches sur un canton bleu avec un champ de 13 étoiles alternées, 7 rouges et 6 blanches. Les 50 étoiles représentent les 50 États de l'Union. Et les 13 bandes du drapeau américain représentent les 13 États d'origine. Les rayures représentent les 13 colonies originales. On les voit ici. Signification des couleurs du drapeau américain. Il n'y a aucune attribution officielle de signification de symbolisme aux couleurs du drapeau. Cependant, Charles Thompson, secrétaire du Congrès continental, en décrivant le projet du Conseil des États-Unis, a suggéré le symbolisme suivant. Les couleurs du drapeau sont également symboliques. Le rouge symbolise la robustesse et la bravoure. Le blanc symbolise la pureté et l'innocence. Le bleu représente la vigilance, la persévérance et la justice. La forme de l'étoile choisie pour représenter chaque État était une décision différente. À la fin du XVIIIe siècle, les étoiles à 6, 7 et 8 branches étaient plus courantes que l'étoile à 5 branches. Certains spéculent que l'étoile à 5 branches a été choisie pour séparer davantage les États-Unis de l'Europe. Selon une autre théorie, Betsy Ross aurait choisi l'étoile à 5 branches parce qu'elle était plus facile à réaliser avec un coup de ciseau qu'une étoile à 6 branches. Arborer fièrement les couleurs américaines et ainsi parachever votre décoration d'intérieur. Les drapeaux. Alors, symbole du drapeau en fonction de circonstances. Voici un ensemble des faits et coutumes intéressants sur le drapeau d'Amérique. Lors de funérailles militaires, les drapeaux américains sont déployés lors de funérailles militaires et des fonctionnaires en souvenir de leur sacrifice pour le pays. Il y a trois façons d'afficher le drapeau des USA lors de l'enterrement des défunts. Cercueil fermé. Le drapeau des États-Unis doit être disposé sur le cercueil avec le champ bleu de l'Union à la tête sur l'épaule gauche du défunt. Cercueil à moitié ouvert, le drapeau d'Amérique doit être placé en trois couches de façon à ce que l'Union soit le plus supérieur par la partie ouverte du cercueil à la gauche du défunt. Le cercueil entièrement ouvert d'un drapeau doit être plié selon la forme triangulaire traditionnelle et placé dans la partie centrale du panneau de tête du couvercle
du cercueil jusqu'au-dessus de l'épaule gauche du défunt. Drapeau américain plié dans le triangle traditionnel peut être exposé à côté de son pendant service. Chaque de manière toilée signifie quelque chose de différent. Coutume pour le pliage du drapeau américain. Alors, il plie toujours le drapeau pour n'afficher que les étoiles bleues et blanches. L'une des raisons pour lesquelles ils font cela est qu'aucune des bandes rouges n'apparaît. Alors, on a des significations du rouge, sa robustesse, etc. Mais très clairement, les bandes rouges représentent le carnage. L'objectif est de se souvenir de la persévérance, de la vigilance de la personne, et non de la perte de la personne. Il est plié en forme de triangle pour que le drapeau US symbolise le chapeau porté par les soldats révolutionnaires. Car c'est à ces hommes que sont attribués la liberté et les droits obtenus par les États-Unis. Alors la signification de chaque pli, qui est très intéressant. Et puis l'hymne américain, bien sûr. Poète français, le poète Francis Scott Key se trouvait à Baltimore pendant le conflit au moment où la Royal Navy britannique lançait un assaut sur le fort McHenry dans la baie de Chesapeake, car il a observé l'attaque depuis un navire situé à quelques miles de l'action. Lorsque les Britanniques sont partis un jour plus tard, Key a été surpris d'observer un drapeau qui flottait encore au-dessus du fort. Il était inspiré à écrire la Star Spangled Banner ou l'hymne national américain le 14 septembre 1814 en hommage à ce dont il a été témoin. En 1916, le président Woodrow Wilson a déclaré que l'hymne des USA devait être joué lors de tous les événements nationaux avant qu'elle ne devienne l'hymne national américain. Le 3 mars 1931, les codes du drapeau ne jamais laisser le drapeau des USA toucher le sol. Le drapeau est généralement affiché du lever au coucher du soleil et de ne pas afficher le drapeau en cas de conditions météorologiques désagréables. Hisser le drapeau énergiquement et l'abaisser de façon cérémonieuse. Ne jamais tremper le drapeau de manière à s'incliner sauf en cas de contraire. Le drapeau ne doit jamais être brodé, imprimé ou autrement à des fins publicitaires. Ne jamais utiliser le drapeau comme un costume ou un uniforme d'athlétisme, sauf pour les questions utilisées par les personnels militaires ou les fonctionnaires officiels. Tout drapeau porté salé ou sale ou déchiré ne devrait pas être exposé en public mais détruit en privé. C'est quand même très intéressant. Donc on a les lieux officiels, le fort McHenry, le mémorial, Lexington, la Maison Blanche, terrain de l'arche commémorative. Puis on a quelques lieux insolites aussi, sur le mont Everest. Bon, sur la Lune, bon. Je comprends pas pourquoi ici on a l'image de la Lune à côté. On a l'image de la Lune. On a les... Je sais pas pourquoi. C'est quand même assez intriguant. Je comprends pas là. C'est peut-être une illustration, on va dire ça comme ça. En Libye aussi, à Tripoli, le serment d'allégeance. Francis Bellamy a élaboré un programme patriotique pour les écoles de tous les pays en commémoration du 400e anniversaire du voyage de Cristobal Colón. Dans le nouveau monde, l'engagement visait à faire en sorte que les jeunes sachent respecter ce nouveau drapeau et à prévenir tout autre conflit civil à l'avenir dans sa forme originale. Promesse se lisait comme si je fais serment d'allégeance à mon drapeau et à la République qui représente une seule nation divisible avec la liberté et justice pour tous. Le président Eisenhower a jeté la phrase « Une nation divisible » sous Dieu en 1954 en réponse à la crainte que l'athéisme ne soit répandu par l'Union soviétique. Donc, voilà pour cette compréhension du drapeau américain. Sont toutes importantes, hein, quand même, de ce drapeau américain. L'importance, comme tout autre drapeau, bien sûr. Alors, on est bien d'accord, hein, un autre terme m'a un peu interpellé, hein, ce sont les bandes rouges et blanches. Rouge, hein, qui signifie le carnage. Et oui, en primordialité, celui subi par les Amérindiens, puis la communauté, la mienne, afro-américaine, lors de l'esclavage, puis les crimes liés au Ku Klux Klan, mais aussi la guerre de sécession et celle provoquée par les USA à l'extérieur, plus principalement après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on a le discours de Biden aujourd'hui qui nous dit que ça fait
On n'est plus en guerre. Effectivement, ils sont partis d'Afghanistan, ils sont plus en guerre. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, un lien important montre cette guerre raciale féroce aux USA, latente, qui couve, qui est dangereuse. Et malheureusement, on a eu récemment aussi des actes graves en ce sens sur apnews.com par Aaron Morrison. Analyse une guerre raciale évidente bien avant le siège du Capitole. C'est quand même important. Comme d'habitude, la quintessence. Alors, très intéressant, le discours des présidents et la signification du drapeau américain. Faut pas oublier les faits historiques, c'est important de les rappeler. Et très clairement, pourquoi ce drapeau est déchiré sous Biden. Donc, c'est intéressant de dire gouvernement Biden, sous le gouvernement Biden, sécession des USA. Et puis, on n'oublie pas Trump, hein, parce que Trump est dans les économistes. Hein. Il est très souvent cité, je veux dire, dans les économistes. Et je vais venir juste le lien après pour Trump. Et justement, une guerre fait rage en Amérique. Et elle n'a pas commencé avec Donald Trump ou l'assaut sur le Capitole, bien évidemment. Cela a commencé avec l'esclavage. Donc moi, je dirais les Amérindiens d'abord. Et n'a jamais pris fin. À travers les lynchages et la suppression des électeurs, les chiens d'attaque grognants de Bull Connor et la comptabilité insidieuse du Red Lining. Les batailles d'aujourd'hui dans la guerre raciale sont menées par des légions de blancs souvent prises de stéréotypes, de mensonges et de théories du complot qui n'existent pas seulement pour les reclus sur un coin sombre d'Internet. D'ailleurs, AP News, c'est un site américain, avec la vision américaine, et c'est ça qui est intéressant dans ce décryptage là-dessus. Des gens comme le meurtrier qui a battu 9 paroissiens, Dylan Roof, dans une église de Caroline du Sud, disant aux détectives que les Noirs prenaient le contrôle du pays. Et violer des femmes blanches. Et le tireur qui a tué 23 personnes et en a blessé 23 autres dans un Walmart à El Paso, au Texas, ciblant les Mexicains sous leurs autorités parce qu'ils croyaient qu'ils envahissaient le pays pour voter pour les démocrates. Et la foule déchaînée en proie à des suprémacistes blancs qui adhéraient lorsque Trump et d'autres ont insisté foncement sur le fait que l'élection présidentielle avait été volée, principalement dans les zones où les personnes de couleur visaient. Pendant très longtemps, disent les leaders des droits civiques, les historiens et les experts de l'extrémisme, de nombreux Américains blancs et dirigeants élus n'ont pas reconnu que cette guerre d'agression blanche était réelle, même si les corps de personnes innocentes s'empilaient. Les notions racistes sur les personnes de couleur, les immigrants et les politiciens ont reçu des plateformes médiatiques grand public, sont représentés dans des statues et des symboles aux propriétaires d'esclaves et aux ségrégationnistes, et ont aidé les démagogues à gagner les élections à de hautes fonctions. Le résultat, une masse critique de blancs craint que le multiculturalisme, la politique progressiste et la répartition équitable du pouvoir n'engendrent leur obsolescence, leur effacement et leur assujettissement. Et cette peur, souvent exploitée par ceux qui sont au pouvoir, s'est avérée à maintes reprises être l'une des menaces les plus mortelles pour les Américains non blancs, selon les défenseurs de la justice raciale. Alors comment la nation commence-t-elle à s'attaquer à la guerre d'agression blanche après d'innombrables occasions manquées. Dans la vidéo YouTube, le révérend William Barber II, leader des droits civiques et co-président de la Poor People's Campaign, une coalition multiraciale qui vise à sortir des millions de personnes de la pauvreté et de l'oppression, a déclaré que cela a commencé par le refus collectif d'avoir des débats politiques enracinés dans des mensonges et des tropes racistes. La suprématie blanche, bien qu'elle puisse cibler les Noirs, est en fin de compte contre la démocratie elle-même, a déclaré Barber à l'Associated Press. Donc c'est AP, Associated Press News. Le dommage collatéral, quand vous continuez à déchaîner les mensonges, à semer le vent et à verser ce poison dans les veines des gens, c'est que le système devient si sceptique que la violence en jaillit. Après avoir prêté serment sur la plateforme même que certains membres de la foule ont escaladé pour violer le Capitole, le président Joe Biden a reconnu les dangers de ne rien faire contre le racisme systémique. La violence naît de la haine. Un cri pour la justice raciale, depuis quelques 400 ans, nous émeut, a-t-il déclaré. Un cri qui ne peut être plus désespéré ou plus clair.
est maintenant une montée de l'extrémisme politique, de la suprématie blanche, du terrorisme intérieur que nous devons affronter, que nous vaincre. Alors, c'est pas trop par rapport à Trump. Certains se mettent avec Trump. Et très clairement, Trump n'a rien à voir là-dedans, bien sûr. Mais quand Trump dit America First, ça plaît à certains suprémacistes blancs. Et je dirais que Trump, aux élections, il y a eu plus d'Afro-Américains, de Noirs et de Mexicains qui ont plus voté pour lui. Donc, c'est impossible qu'il perde les élections, en réalité, techniquement. Donc, c'est la science-fiction que Joe Biden soit président aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas vraiment les nations qui décident de leur avenir. Très clairement. Là, on voit bien qu'on tient une séquence, qu'il y a quelque chose qui agit. C'est pas Biden et les États-Unis qui agissent. Parce qu'ils sont dans l'image. Donc c'est pas eux qui agissent, c'est un volume à l'extérieur qui tient une séquence. Avec des images comme ça. Donc, c'est pas que c'est prétentieux, c'est que ces gens-là qui mettent ces images-là savent ce qu'ils font. Alors, à chaque fois, je parle d'astrologie. Toujours l'astrologie et les astres, parce que c'est ça d'abord. Oui. Toujours dans ce contexte-là, et c'est pas une question d'humilité pour ceux qui font magazine, c'est pas une question d'humilité. C'est comprendre ce qu'on fait, et que eux ils comprennent leur place. Que eux, ils mettent ces images-là, mais d'abord, cette séquence-là, où j'ai fait 3 vidéos dessus. Et oui, c'est ça d'abord. Et ensuite, on met la séquence en place, c'est pas qu'on joue, c'est que nous, en tout cas, on tient cette séquence avec une émergence ici, et la chute ici. Et là, ça, de toute façon, c'est l'astrologie, hein, c'est le soleil, etc. Dont j'ai parlé dans les 3 premières vidéos, quasiment 9 heures de décryptage sur le soleil, c'est quand même assez puissant. Alors, historiquement, la suprématie blanche a progressé en même temps que les craintes du pouvoir politique noir. Après la guerre civile, lorsque les anciens esclaves ont obtenu le droit de voter et d'occuper un poste, la réponse blanche comprenait la ségrégation, Jim Crow, la suppression des électeurs et l'oppression par l'application de la loi. L'émeute du Capitole du 6 janvier s'est produite le jour même où la Géorgie a déclaré les vainqueurs de son second tour des élections. Les démocrates Raphaël Warnock et John Ossoff, les premiers candidats noirs et juifs que l'État du Sud ait jamais envoyé au Sénat américain. Et cela s'est produit à l'approche du jour de l'investiture de Kamala Harris, la première personne noire et sud-asiatique assermentée pour servir en tant que vice-présidente. Il ne faut pas passer sous le pied qu'au moins un grand drapeau confédéré a été agité par les intrus du Capitole. Ça reste des minorités. Hein, l'ensemble du mouvement Trump, c'est pas ça. Vous aurez une minorité, effectivement, qui aura ça. Et c'est toujours un peu pareil, c'est comme les gilets jaunes. Voilà, il y aura toujours une minorité, et on veut mettre en avant. Voilà, c'est à peu près ça. Ça reste un lien intéressant. C'est très, très, très intéressant. Pour beaucoup, dans cette foule majoritairement blanche, les Américains non blancs ont exercé une influence politique inconcevable lors des dernières élections, menaçant la primauté de la domination blanche. Lorsque le suprémacisme blanc est contesté, ses défenseurs se mentent délibérément la division au service de leurs anciens, a déclaré Barbeau. Pour terminer, ce genre de violence de la foule, en réaction noire, aux bruns et aux blancs qui se rassemblent et votent pour faire avancer la nation de manière progressiste, a toujours été le contre-coup, a-t-il déclaré. Oren Segal, vice-président du Centre sur l'extrémisme de l'anti-défamation de Ligue, a déclaré que la lutte contre la guerre d'agression blanche exige également que nous cessons d'utiliser des termes bénins comme guerre culturelle pour décrire la violence qui tue littéralement les Américains. C'est quand même un lien intéressant. J'en profite. Le temps que ça charge. Alors, sur l'analyse de la situation américaine, il faut toujours avoir l'esprit ouvert et comprendre, bien sûr, que l'élection a été volée de manière visible. Bien sûr, la culture woke, ça reste une sorte d'utopie, mais bon, c'est en train d'être mis en place. Je sais pas comment ça se passe là-bas. Bon, c'est quand même pas terrible. Hein. Effectivement, Trump ne détient pas la Fed, hein, et c'est ça qui a fait la différence pour l'instant. Mais le soi président sortant, alors que Trump a bien gagné l'élection, alors qu'il est vainqueur, il ne chôme pas.
Hein, nous ne sommes pas Trump, bien sûr. C'est pas évident de rassembler des preuves, de tout mettre en place. C'est pas du jour au lendemain, bien évidemment. Alors c'est quand même important, puisque catoinstitute.org se pose comme question, ses partisans vont-ils faire sécession? Hein, on le sait, ce genre de procédure, hein, ça met des mois hein, à se mettre en place, comme je disais. De Doug Bandor. Comme d'habitude, de la quintessence. On va voir si Trump va faire sécession, ce bon vieux Trump. Alors, justement, et il parle de ça dans le 2019, parce qu'il savait très bien ce qui allait se passer en 2021 aux élections. Alors, par Trump. Parler ici d'un Trump discordant, effectivement. Il savait bien évidemment, au niveau des élites et de l'État profond, leur scénario, ce qu'ils allaient mettre en place aux élections. Alors, c'est pour ça qu'il met un Trump ici discordant, qui ne suit pas le scénario. Leur scénario, en tout cas. Bien évidemment. C'est quand même important à signaler. La présidente de la conférence républicaine de la Chambre, Liz Cheney, pourrait-elle par inadvertance lancer la grande deuxième vague sécessionniste de l'Amérique? Si oui, comment s'appellerait le nouveau pays, les États-Unis de Trump? Lorsque la majorité démocrate de la Chambre a décidé de destituer le président Donald Trump à la suite de l'occupation du Capitole, vous voyez, hein, entre guillemets, l'état profond, voilà, ils ne sont pas payés par quatre chemins à destitution de Trump. Hein. C'est quand même assez incroyable. Cheney était l'une des 10 républicaines à voter en faveur. Les gens de ces jeux dans le Wyoming n'étaient pas heureux et promettaient un défi primaire. Ils parlent aussi de faire sécession. Le président du parti républicain de l'État, Frank Ethorn, a déclaré « Beaucoup de ces États occidentaux ont la capacité d'être autonomes et nous gardons également un œil sur le Texas et leur considération d'une éventuelle sécession. Maintenant, ils ont une constitution d'État différente. » De là, nous, en ce qui concerne la formulation, mais c'est quelque chose à laquelle nous prêtons tous attention. On pensait qu'un obscur petit événement connu sous le nom de guerre civile avait réglé la question de la sécession par un nom ferme. Mais le président Joe Biden pourrait s'avérer plus pacifique que le président Lincoln. Mais même au milieu de la guerre civile, il y avait des unionistes qui croyaient que leur sœur fautif devrait être autorisée à aller en paix. Ce sentiment a augmenté avec le coût de la guerre qui a finalement tué quelques 750 000 Américains, soit l'équivalent approximatif de 8 millions aujourd'hui. Aider les sécessionnistes potentiels du Wyoming et le fait qu'il n'y a pas 750 000 et encore moins 8 millions de personnes à tuer dans le Wyoming, et la plupart des Américains ne remarqueraient pas si l'État partait. Ce n'était pas un coup contre le Wyoming. Il ne s'impose tout simplement pas au reste des pays. C'est loin de la plupart des gens. De plus, conçu par Dieu pour les amateurs de plein air, il fait partie du pays de survol soigneusement évité par la plupart des élites côtières. Combien de temps faudrait-il à la majorité des Californiens ou des New-Yorkais pour se rendre compte que le Wyoming était absent du syndicat? Combien d'entre eux savent que le Wyoming fait partie maintenant du syndicat? Alors, c'est quand même très intéressant. Le président du parti républicain doit envisager des. Cela semble peu probable. Effectivement, dans le 2018, on voit une étoile tomber. Ça, c'est très intriguant aussi. Alors, effectivement, ça fait penser au drapeau européen. Mais mine de rien, si on compte le nombre d'étoiles, ça fait faire penser au drapeau américain primordial. C'est quand même extrêmement intéressant. On va essayer de voir ça de plus près, mais attention, parce que les drapeaux américains, on voit bien si on voit le premier lien dans la signification des drapeaux américains. Au tout début des drapeaux américains, ça faisait peut-être une autre forme, un peu voilà. Oui, il faut faire quand même attention. Peut-être que le génie économiste symbolise cela dans le 2018. Oui, c'est quand même très inquiétant. Parce que, en plus de ça, c'est la même couleur. Et c'est là où c'est encore plus inquiétant. Parce que c'est la couleur bleue. Là,
Oui, le drapeau de l'Europe aussi, c'est bleu, mais... Et c'est ça a quand même la même forme ici, hein. Avec un État qui tombe. Moi, je pense plus que c'est peut-être ça. Toujours en fond de parcours de 13e degré du soleil noir, en cancer. Et la symbolique du parcours du vieillard. Et oui. Et ça à prendre en compte. C'est une information importante complémentaire à prendre en compte. C'est quand même important. Mais Hitorn postule la possibilité, de plus que la sortie du Royaume, il y a vrai dire, cela ne semble pas trop probable. Même le Teptak n'a pas montré le désir populaire naissant de diriger un défilé sécessionniste. Pour l'instant, mais faut faire attention, ça couvre. Hein, peut se passer les choses. Au fil des ans, les Texans semblent avoir plutôt bien réussi à maintenir leur influence à Washington. Tout aussi important qui se joindrait à nous si le Texas sortait. Bien qu'il y ait un noyau trumpien en Amérique, beaucoup de ces États sont politiquement violacés, particulièrement compétitifs en dessous du niveau présidentiel. Lors de l'élection de 1860, la ligne de faille la plus importante, l'esclavage, a été définie par la géographie. Aujourd'hui, la ligne de faille est idéologique, culturelle, économique et se propage à travers le pays. Il y a des concentrations géographiques, bien sûr. Évoquer le woke dogme, moralisateur des gauchistes, basé sur le principe des pensées incorrectes, sont pires que les comportements criminels. Domine la côte ouest, New York, la Nouvelle-Angleterre, et les grandes zones urbaines et les villes universitaires ailleurs. Le trumpisme triomphe dans les communautés plus rurales, traditionnelles, écoles bleues. Les banlieues sont peut-être le champ de bataille politique le plus important. Qui s'est déplacé contre Trump, bien que plus pour son comportement que pour ses croyances. Bien évidemment, la quintessence, c'est d'avancer dans le quand même beaucoup de choses, hein, on voit bien. Bien évidemment, j'en terminerai sur ces quatre paragraphes ici, pour ce lien extrêmement important sur les États-Unis. Pour comprendre la base, hein. La sécession devrait être plus facile à accepter aujourd'hui sans esclavage. La question est simplement de savoir si les minorités politiques devraient être autorisées et non encouragées. À modifier pacifiquement leurs arrangements politiques unilatéralement lorsque la majorité dit non. La réponse est oui. Il serait certainement prudent de faire sécession des États-Unis. Il serait probablement illégal de le faire, du moins dans la mesure où la Constitution a été effectivement modifiée par 4 années de guerre acharnée. Mais il serait insensé et erroné de tuer ceux qui voudraient partir. Ils devraient être autorisés à se faire une vie différente s'ils le souhaitaient, que ce soit dans la République populaire démocratique du Wyoming ou dans la République d'Amérique continentale, avec le Texas et divers autres États. L'avenir politique de Liz Cheney est prêt à avoir voté pour destituer le président. Les collègues du parti font pression pour l'évincer de la direction de la conférence. Une primeur du parti pourrait la faire partir du Congrès. Beaucoup plus important pour le reste d'entre nous, cependant, serait la création d'un mouvement sécessionniste dynamique. Quitter l'Amérique sur Donald Trump serait une décision stupide. Le faire pour protéger une république constitutionnelle qui a mal tourné pourrait avoir plus de sens. Peut-être que la seule façon de contraindre Washington dans les années à venir serait de relancer l'option de partir. C'est quand même. Attention, du coup, j'ai lu jusqu'au bout tellement j'étais pris. J'avais pas prévu de lire le dernier paragraphe, mais j'étais pris dedans. Donc, c'est la preuve que le récit est assez intéressant. Le récit américain est extrêmement intéressant. Ces quatre liens pour bien se mettre en route, si je veux dire. Vidéo et longue, bien sûr, c'est logique. Mais c'est quand même extrêmement important pour poser les bases. Là, pour le coup, on a d'autres digressions par rapport au drapeau, puisque c'est le décryptage hein, de cette vidéo, hein, bien sûr. Alors, bien évidemment, on a de la constellation, et puis juste après, on va aller dans le domaine des horaires. Donc, voilà pour cette séquence sociétale, historique et politique des USA. Très importante pour comprendre ce drapeau déchiré. Déchiré sur le symbolisme d'un éclair. Avec l'éclair aussi de l'Inde, de l'éléphant, c'est intéressant ça, cette symbolique de l'éclair. Encore une fois, avec ce site de signification des drapeaux des USA,
Encore, bien sûr. Un autre terme m'a interpellé, c'est celui des 13 étoiles représentant une constellation ouvrant bien évidemment le chapitre ésotérique de la vidéo. Un chapitre assez intéressant de cette vidéo. Bien évidemment, très clairement, vous avez les 13 étoiles qui symbolisent une constellation et surtout l'étoile à 5 branches. Et là, on va dans le pentacle et le pentagramme. Tout simplement. Et essayer de comprendre. Tout simplement. Alors, bien sûr, les 13 étoiles, alors, elles semblent représenter 13 étoiles, les 13 étoiles brillantes que compose la constellation du Scorpion. Avec, comme d'habitude, pour un didactisme approfondi, ce merveilleux PDF de orion-sanary.fr. 59 pages. Alors, évidemment, on va aller directement à la constellation du Scorpion, mais vraiment pour naviguer astrologiquement sur toutes les autres constellations, c'est quand même important. Les planètes issues du disque protoplanétaire ont leurs orbites presque dans le même plan. Elles se déplacent, on va faire un peu plus gros quand même, on va en profiter. Elles se déplacent donc sur une bande autour de l'écliptique. On est bien d'accord. Vous voyez, ici, ça c'est intéressant. On voit que ça ici. Le serpentaire ici. Et le scorpion. Vous voyez, ils se trompent pas les Américains. Avec le serpent à sonnette. Sur la constellation des 13 étoiles. Les 13 étoiles brillantes de la constellation du scorpion. Parce que le serpentaire est proche du scorpion. Et rien n'est fait au hasard. C'est issu, oui, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Des anciennes civilisations, etc. Ça, c'est pas le souci, hein, bien évidemment. Donc c'est très important à comprendre. Et puis le S du dollar, c'est peut-être un rapport au serpentin aussi. Et du serpent sonnette. Et des deux barres. On verra le dollar juste après. Après cette séquence qui est liée aussi ésotériquement, bien sûr. C'est quand même extrêmement important. En fait, il a 13 constellations. Mais bon, on a voulu mettre à 12 pour la symbolique du 12, quoi. C'est quand même plus intéressant que le 13. Et on a enlevé la constellation Ophiuchus et on a mis le scorpion en plus large. En fait, il y a 13 constellations dans la bande parcourue par les planètes et on sait exactement quand telle planète ou lune ou le soleil est dans telle constellation. Bon, voici le tableau pour le soleil, hein, le parcours du soleil de l'écliptique de cette zone de la Voie lactée. Donc on est bien d'accord, là on a Ophiuchus au serpentaire. Hein. Par rapport au parcours du soleil, 29 novembre, 8 décembre. Donc on voit bien que le scorpion c'est que 9 jours où le soleil parcourt. Le soleil parcourt 9 jours. Et il parcourt tout un mois le serpentaire. Donc, au lieu même, je dirais, si on veut 12, bah, le plus cohérent, parce que tous les autres, ils durent à peu près un mois. Hein, alors là on a le nombre de jours. Le plus, c'est la Vierge. Hein. Le soleil peut être plus de temps à la Vierge. Mais quand même, le plus marquant, c'est Ophiuchus. On a quasiment un mois complet. On a 2 jours, 10 jours. Là, on a à peine 8 jours. Quoi. C'est pas... C'est quand même assez important à noter. Alors, c'est quand même important à noter. Ophiuchus ou Serpentaire, à ce niveau-là. Et pour les signes astrologiques aussi. Alors là, on a les signes. Et on va tout de suite au signe du serpent qui est à la page 20. J'avance. Donc le scorpion, le soleil le traverse entre le 23 novembre et le 29 novembre. Donc vous voyez, on a le serpentaire juste à côté de la balance. Le scorpion, Ophiuchus et le serpent. Cette zone-là. Constellation mal placée pour nous, car c'est une constellation de l'hémisphère sud. On ne la voit jamais en entier. Il faudrait être au sud de l'Espagne pour que ce soit possible. Bien évidemment, ce lien-là, je le garde pour ma prochaine vidéo. Alors, bien sûr, astrologiquement aussi, en octobre. Mais il y a une vidéo aussi à faire concernant la planète hypothétique. Nibiru, bien sûr. Très, très, très important. À l'origine, la constellation comprenait
également la balance qui figurait alors les pinces du scorpion. Intéressant. Belles images sur ce PDF. Hein. Avec l'image des Stellarium ici, avec l'équateur du Soleil. Et effectivement, pas trop sur l'écliptique. Ah, voilà, ce qui nous intéresse là, cette légende symbolique, c'est ça qui nous intéresse aussi. Le géant Orion, fils de Poséidon, était un grand chasseur. Ayant eu connaissance de ses talents, le roi de l'île de Chios le fit venir pour lui demander de débarrasser de l'île de tous les animaux sauvages. Orion, avec ses deux chiens, Sirius et Procyon, accepta cette tâche et s'en inquiéta à merveille. Ceci ne fut pas du tout du goût d'Artémis, déesse de la chasse et protectrice de la faune sauvage. Après quelques péripéties, Orion, de retour vers Chios, fut arrêté par Artémis qui lui signifia qu'elle voulait le punir pour ce qu'il avait fait. Orion ne l'entendit pas ainsi, il se jeta sur la déesse. Artémis ne manquait pas de force, mais Orion était extraordinairement puissant. Sentant qu'elle ne viendrait pas seule à bout d'Orion, elle implora à son frère Apollon d'intervenir. Ce dernier fit surgir du sol un scorpion géant. Une lutte terrible s'engagea alors entre Orion et le scorpion qui, d'entrée de jeu, tua Sirius et Procyon. Enfin, après plusieurs heures de combat, Orion parvient à percer de son épée la cuirasse du scorpion. Malheureusement, même instant, le dard du scorpion toucha Orion. Les deux protagonistes s'écroulèrent. Poséidon, après avoir appris la mort de son fils, vint chercher son corps et métamorphosa en étoile. Ce qui nous permet d'admirer maintenant, c'est la magnifique constellation d'Orion, la déesse Artemis Folbrush, métamorphosa à son tour le scorpion en étoile pour que le combat puisse continuer dans le ciel. Heureusement, Zeus intervient et fait en sorte qu'Orion et le scorpion ne puissent jamais s'entendre. C'est pour cela que lorsque l'Orion se lève à l'horizon à l'est, le scorpion se couche à l'horizon ouest. Intéressant, vraiment. Et là, voilà, la plus grosse étoile Antares, Alpha Scorpii, qui signifie rival de Mars, et l'étoile la plus brillante de la constellation. D'une masse entre 15 et 18 masses solaires, et d'un diamètre de 883 fois celui du Soleil, et son volume de 690 millions de fois plus élevé que lui. Elle est située à environ 500 ou 700 années-lumière de la Terre. C'est une géante rouge plus froide que le Soleil, qui est en fin de vie. Elle peut donc exploser n'importe quand et devenir aussi brillante que la pleine lune. C'est une étoile double. Antares A, c'est une étoile compagnon appelée Antares B. Allez, souvent les étoiles sont doubles. Découverte le 13 avril 1819 par Johann Thomas Berg. C'est une géante bleue séparée de 550 unités astronomiques, soit plus de 80 milliards de kilomètres. Elle a une magnitude de 5,5. Sa brillance. Donc là on voit notre soleil et Arcturus, la géante rouge, et Antares, la super géante. Donc là on voit la différence. Antares, Bételgeuse, Aldébaran, Rigueur, Arcturus, Pollux, Sirius et le soleil en tout petit qu'on voit. C'est quand même assez intéressant. Donc je poursuis mon développement zodiacal du drapeau américain avec ce serpent à sonnette faisant référence au Serpentaire ou Ophiuchus. Donc je vais tout de suite vers le Serpentaire ou Ophiuchus en page 45 de Serpentaire ou Ophiuchus. 13e constellation du zodiaque. Le soleil traverse cette constellation entre le 29 novembre et le 18 décembre. Donc ça fait penser aussi au caducée d'Hermès, ce fameux serpentaire. Donc on a bien Arcturus à côté, et la tête du serpent, le serpentaire, la queue du serpent. Et Antares très proche du scorpion. On a le serpentaire et la forme du serpent qui est très 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 intéressante. Alors
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va faire un peu gros, le temps que ça charge. Ophiuchu est également connu sous le nom d'origine latine de Serpentaire. C'est une constellation de l'hémisphère nord traversée par le Soleil du 29 novembre au 18 décembre. Elle se situe entre le Scorpion à l'ouest et le Sagittaire à l'est, normalement 13e constellation du zodiaque. Le Serpentaire est une constellation ancienne. Elle fut répertoriée par Aratus de Soles, puis avec 47 autres constellations par Ptolémée dans son Almageste, et était parfois appelé Serpentarius. Tarius le Serpentaire. La constellation représente un homme portant un serpent autour de lui. Le Serpentaire divise justement la constellation du serpent en deux parties. Elle représenterait Asclépios, le médecin légendaire. Asclépios aurait tué un jour un serpent et aurait eu la surprise de voir un autre serpent le ranimer avec des herbes. Le savoir médical d'Asclépios en par la suite cru au point où il était capable de ressusciter les morts. Cela inquiéta Hadès, dieu des enfers, qui craignit de ne plus recevoir d'âme. Ainsi convainquait-il son frère Zeus de le foudroyer et de décréter que tous les mortels doivent mourir. Un jour, afin d'honorer cet amour de guérisseur, Zeus la plaça avec son serpent dans les cieux. Il n'est toutefois pas très facile d'y décerner la figure d'un homme sans faire preuve d'un peu d'imagination. Donc les étoiles principales de la constellation d'Ophiuchus, Rassalag est l'étoile la plus brillante de la constellation. C'est une étoile blanc-bleue de type A située à 47 années-lumière. Sa magnitude apparente est de 2,08, elle brille 26 fois plus que le Soleil, ce qui lui donne une magnitude absolue de 1,3. Elle possède un petit compagnon, disons, distant de 7 unités astronomiques, qui orbite en 8,7 ans. Le Serpentaire est une constellation ancienne assez brillante, en conséquence, un certain nombre de ses étoiles portent un nom propre. On envoie les autres étoiles, hein, Eris. RS Ophiuchi est une étoile trop lumineuse pour intéresser l'astronome amateur. Fait partie de la classe très étanche des novas récurrentes dont la brillance peut croître de manière imprévisible dans centaines de fois dans l'espace de quelques journées. L'étoile de Barnard, la cinquième étoile la plus proche du système solaire, la troisième si on considère le système d'Alpha du Centaure comme un seul monde, se trouve dans Ophiuchus. Elle est distante de 5,96 années-lumière. Il s'agit d'une naine rouge de magnitude apparente 9,54. Cette naine rouge de type M est principalement connue pour être l'étoile possédant le mouvement propre le plus important. Donc on a les autres objets célestes, M9 notamment, M10, quand même extrêmement intéressant. Et puis M12, M14, IC4665. Dans le même secteur sous la galaxie spirale, de la galaxie NGC 6384, de magnitude 10,6 quand même, c'est quand même assez impressionnant. Et puis les nébuleuses aussi. Donc voilà. Pour cette séquence. Alors, bien évidemment, la typologie de l'étoile est très importante et riche symboliquement. C'est la fameuse étoile à cinq branches, bien sûr. Tout cela mérite plusieurs liens pour approfondir ces choses importantes. En commençant tout d'abord par la différence entre pentacle et pentagramme, sur frsawakinome.com. C'est quand même important. Je vais voir si on peut faire ça en lecture immersive. Différence entre pentagramme et pentacle. C'est quand même extrêmement intéressant. Pentagramme et pentacle sont des symboles remarquablement similaires, associés à des éléments mystiques. Ils sont souvent confondus les uns avec les autres. Certaines personnes prétendent qu'un pentacle n'est qu'un autre mot pour pentagramme. Par conséquent, ces termes sont interchangeables pour beaucoup de gens. Un certain nombre de références affirment qu'ils sont identiques. En outre,
Les différences d'interprétation entre les différents groupes contribuent à l'incertitude. Quel est le pentagramme? Pentagramme est venu du mot grec pente qui signifie 5 et gramme caractère. Ou ce qui est écrit. Apparemment, à partir de sa figure, il est également connu sous le nom de Star Pentagone ou Pentangle. Voici certaines de ses définitions de pentagramme. Géométrie, un polygone composé de 15 segments de droite à 10 points. Écriture sumérienne. Un logogramme pour le mot oub, qui signifie cavité, angle, point. Point, une petite pièce. S'intéressant au niveau de la crypto-monnaie coin, c'est intéressant ça. Les angles vifs de la figure désignent de manière appropriée les coins ou les coins d'une pièce. Pour le coup. Pythagore, c'est un symbole de l'homme avec le haut comme tête, les côtés comme les mains et les angles inférieurs comme les jambes. Il représente également les éléments que les Grecs croyaient constituer le corps humain. La terre, l'air, le feu, l'eau et le psychisme antique. Il représentait les cinq livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome de la Torah. Moyen-Âge, tradition chrétienne, l'étoile symbolise les cinq brûlures sacrées de Christ qu'il a subies pendant la crucifixion. Celte ancien, c'était le symbole d'une ancienne déesse celte, Morgane, qui représente la magie de la guérison, la bataille, la fertilité et la sexualité. Tradition chinoise, il représente les cinq phases qui sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. On avait parlé aussi l'année dernière, c'est intéressant. Culte, occultisme, hein, malheureusement, c'est la conquête de la matière sur l'esprit qui représente le mal. Ça, bien évidemment, c'est inversé, bien sûr, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'un pentacle? Pentacle tire son origine des mots linta, penta signifiant quintuple et cleum, un suffixe diminutif. Il est défini comme un pentagramme entouré d'un cercle qui représente l'unification de tous les éléments circonscrits. De plus, le cercle souligne les liens directs et indirects de ce que représentent les points et une profonde révérence pour la nature. On y retrouve également le mot français pentacole ou pandacole qui est un ornement ou un charme accroché au cou de nos jours. Les pentacles sont largement connus sous la forme de talismans gravés de figures, pas seulement les pentagrammes qui sont en bois, en métal, en papier ou en d'autres matériaux. Voici certaines des différentes. Définition du pentacle. Math, un pentagramme sans ligne intérieure avec 10 segments. Tarot, les pièces dans le tarot qui représentent l'élémentaire ou une divinité se manifestant dans la matière. Wicca et autres croyances néo-païennes. Un outil d'autel qui symbolise l'élément de la terre. C'est pour nettoyer, diriger les énergies ou charger. Différence entre pentagramme et pentacle. Étymologie. Ses racines grecques, pentagramme se traduit par une figure à 5 points, telle qu'une étoile. D'une part, de sa racine française, pentacle se traduit par un ornement suspendu par le cou. C'est plus pentagramme qu'il faut voir, bien sûr. Pentacle, c'est un ornement suspendu par le cou. En maths, un pentagramme est défini en géométrie comme un polygone avec un segment de droite, alors qu'un pentacle est un pentagramme sans ligne intérieure de 10 segments. En figure, un pentagramme est une étoile. Alors qu'un pentacle est une étoile ou une figure entourée d'un cercle. Variété de définition par rapport au pentacle, le pentagramme a des définitions plus variées, par exemple la tradition chinoise le considère comme un symbole des cinq éléments. Pythagore le considère comme un symbole de l'homme et la tradition chrétienne. C'est référé au Christ, comme je disais. Par rapport au pentagramme, le pentacle est souvent considéré comme un talisman, un charme ou une amulette protectrice. Les pentacles en argent sont supposés augmenter les capacités psychiques et son or invoque la sagesse, les wiccans le place. Également se retient pour se protéger tout en flot, en protégeant des auras et des énergies négatives. Ensuite, on a la malfaisance, pas vraiment développer ça. Les traces les plus anciennes de l'utilisation du pentagramme remontent à la civilisation sumérienne, environ 4500-1920 JC, avec un logogramme pour angle coin ou pièce. En ce qui concerne le pentacle, le point a été utilisé avec le mot français pentacole, qui signifiait talisman. Donc, très 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 intéressant pour bien voir la définition, pour bien comprendre de quoi on parle. C'est quand même intéressant. Une autre vision ésotérique de ces termes,
avec l'historique de ces symboles. C'est quand même assez intéressant sur gerardvulmienfree.fr. Alors, bon, on en a déjà parlé, hein, étoile, pentacle, étoile à cinq branches, centre interne, comme symbole ou talisman, le pentagramme contient les 13 intérieurs, saut de Salomon ou hexagramme si vous. Puis généralement, on utilise le pentacle ou pentacle, c'est une figure géométrique standard exprimée, une structure universelle et à l'intérieur de laquelle sont inscrits des lettres, des mots ou des signes symboliques. Le pentacle serait lié au penta, le mot 5. Ce mot viendrait d'un vieux mot français signifiant pendre, avec le sens de talisman symbole utilisé pour les manipulations magiques, selon Richard Cavendish. On voit bien que ça rejoint le lien précédent. Ésotériquement, pentacle non ésotérique de l'étoile à 5 branches, inscrite dans un cercle, le symbole Vénus associé à la planète du même nom. Vénus, déesse de la beauté, de l'amour charnel. Ishtar, déesse de la fécondité assyrienne et babylonienne. Ashtar, déesse de la fécondité phénicienne. Astarté, nom grec de Ashtar. Aphrodite, autre nom grec d'Astarté. L'orbite de la planète Vénus décrit une sorte de pentacle en 4 ans. Ce rythme avait étonné et émerveillé les anciens. Le rythme de 4 ans des Jeux Olympiques tire son origine de ce cycle. À l'origine, le symbole des Jeux était le pentacle, remplacé plus tard par les 5 anneaux, entrelacés lesquels symbolisant la solidarité entre continents. 5 feuilles ou pentapétales ornement floral à 5 lobes. Dans les cathédrales, fenêtres en rosace, rosettes sculptées aux 5 feuilles sur les clés de voûte. Rose, la rose a toujours été le symbole de la sexualité féminine. Dans les cultes primitifs de la déesse mère, les 5 pétales représentaient les 5 étapes de la vie, la naissance, fécondité, maternité, ménopause et mort. La rose épanouie symbolise le sexe féminin, la fleur sublime par laquelle tout homme vient au monde. Rose a un anagramme significatif et rose le degré de l'amour physique. Section réalisée d'après Dan Brown. Dan Brown, il y a un R qu'on a oublié, c'est pour ça qu'il y a un petit lapsus Da Vinci Code, bien évidemment. Puis là, on a la comparaison entre Da Vinci Code et l'effet. Intéressant. Alors, pour terminer, alors, le symbole de le pentacle n'est pas du tout le symbole de Vénus. Vénus était symbolisée par une étoile à 8 ou 16 branches, car la déesse Ishara chez les Mésopotamiens. Les Hébreux associent le pentacle à la vérité au livre, aux 5 livres du Pentateuch. Les pythagoriciens le considéraient comme l'emblème de la perfection, comme le symbole de l'être humain. Tête et 4 membres, ils associaient le pentacle au nombre d'or et au dodécaèdre, le 5e solide platonicien formé d'une 12 faces pentagonale. Symbole des cieux, le pentacle était un signe de reconnaissance entre eux. Là, pour le coup, le pentacle au sol, chez les Khazars, en Khazarie, au Kazakhstan, pentacle de 366 mètres de diamètre inscrit sur le sol quelque part au Kazakhstan, explication. Alors là, l'image est faite pointe vers le bas, peut-être pour nous symboliser, mais effectivement, l'image peut être prise dans tous les sens. Mais là, elle a été photographiée avec pointe en bas. C'est quand même inquiétant, mine de rien. Pointe vers le bas, évidemment, c'est l'esprit vers le bas et c'est négatif, effectivement. On est bien d'accord. Et c'est une information importante, cette photo-là. Et comment a été prise cette photo? Dans quel sens? Peut-être le sens de la photo nous montre le but, finalement, de ce cercle de 366 mètres. Possiblement, on est bien d'accord. Les premières étoiles connues datent de 3000 ans avant Jésus à 5 branches en Mésopotamie ou en Égypte. Elles semblent avoir été tracées d'un seul trait sur des vases ou des jarres. Selon les hiéroglyphes égyptiens, cette étoile, entourée d'un cercle, signifie les enfers. Non. C'est intéressant. Selon les hiéroglyphes égyptiens, cette étoile entourée d'un cercle signifie les enfers. Et là, on a une étoile signifiée d'un cercle. Donc, pour les Égyptiens anciens, ça signifie les enfers. Au Kazakhstan. Tout simplement. Et quand on voit la ville Astana, qui est, vous connaissez les anagrammes de ce mot, on voit des pyramides, etc. On reprend et en plus même ils avaient même compris avant même que ça soit mis en place, ils avaient même compris ce qui allait se passer dans le futur,
les anciens égyptiens par rapport à ce qui se passait au Kazakhstan notamment. Ils avaient bien compris. Justement, voir des pyramides. C'est pas que. Ils ont plutôt diffusé cette idée-là des pyramides de l'énergie libre. Mais en tout cas, ils avaient bien vu comment ces symboles-là allaient être utilisés. Pour le coup, ils disent que ça signifie les enfers. Sur les tablettes sumériennes et akkadiennes, le nom cunéiforme désignant cette étoile, la région des mondes inhabités. Les pythagoriciens utilisent ce dessin au triple triangle comme signe de reconnaissance et symbole de santé. Aujourd'hui, l'étoile à cinq branches figure sur plus de 60 drapeaux. Selon leur quantité, elle symbolise la qualité des autels. Oui, effectivement, ça vous suit la qualité des hôtels aussi. Parce que je n'avais pas compris. Effectivement. Sur plus de 60 pays de drapeaux. Et aussi les étoiles, les hôtels, effectivement. Allons à présent au symbolisme, à la symbolique du pentagramme. Pour le coup, pas le pentacle, on l'a déjà vu. Et là, pour le coup, du pentagramme. Car le pentacle est apparenté à un ornement. Sur elenaroux.fr. C'est quand même très 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 important. Le blog d'Elena Roux, la symbolique du pentagramme pour le coup. Donc là on a l'apparence du pentagramme. N'importe quelle étoile peut être considérée comme un pentagramme. Il s'agit d'une étoile à 5 branches où chacun des 5 triangles isocèles ont une taille égale. Alors on le voit, dans ce même symbole, on peut également caser le corps de l'homme. Les nombreuses significations du pentagramme. Chez beaucoup de peuples, on a retrouvé ce symbole dans les écrits, gravés sur des bijoux et autres objets, et même comme élément de l'architecture. À Babylone, ce symbole était synonyme de protection pour les marchands, mais aussi symbole de puissance et de suprématie. Ainsi, on trouvait ce symbole sur les bijoux et trônes de souverains babyloniens. Chez les anciens égyptiens, par exemple, pentagramme, c'était l'étoile d'Isis. Il symbolisait la terre-mère. On le trouve également, hiéroglyphe en forme de pentagramme. Sa traduction, c'est initier, apprendre. On trouvait également le plafond du ciel étoilé dans certains tombeaux égyptiens. Les étoiles étaient des pentagrammes. Chez les anciens grecs, le pentagramme était appelé penta-alpha. En effet, les cinq lettres alpha liées entre elles donnent le pentagramme. Pythagore et pythagoriciens ont étudié ce symbole géométriquement et il a un rapport avec le nombre d'or. Comme je disais, le pentagramme a d'ailleurs été choisi comme symbole de leur école. Pythagoriciens ont trouvé la symbolique des cinq éléments dans le pentagramme. En effet, selon les pythagoriciens, le monde se compose de cinq éléments. Eau, feu, terre, air et esprit. On accorde à la nature un côté divin à travers cette symbolique. La terre symbolise la stabilité et l'endurance physique. Le feu, le courage, l'eau, les intuitions et les émotions. L'air, la créativité, l'intelligence. L'esprit, lui, symbolise la partie la plus élevée de nous, l'âme, le soi profond. C'est pour ça que l'esprit doit être en haut. Et puis logiquement, on a les pieds en dessous. La terre et le feu, en dessous. Mais très clairement. Et puis l'air et l'eau, et l'esprit. Quand même logique. Pour les juifs, le pentagramme symbolise les cinq livres sacrés que Moïse a reçu de Dieu, pour les chrétiens, les cinq clés du Christ, mais aussi les cinq joies de Marie quand elle a pris conscience de l'élévation spirituelle de son fils. Il y a également les cinq sens de l'homme. J'en avais parlé aussi de manière ésotérique, bien évidemment, ainsi que la main à cinq doigts et de la santé. Selon la légende du roi Arthur, il y avait également le pentagramme à la cour de Camelot. Cinq branches. Les étoiles représentaient la noblesse, la chasteté, la courtoisie, le courage et l'honneur. C'est d'ailleurs précisément pour cette raison que le symbole a été repris par l'ordre des Templiers. J'en avais aussi parlé des Templiers. Dans le 2020, par rapport aux récessions, avec l'époque de la Renaissance, il fait également observer que le pentagramme rappelle l'homme avec les bras vers les côtés et les jambes écartées. Non, ça avait passé à Vinci, mais je vais revenir juste après. Par rapport à Vinci... Et au 2019, avec les courants humanistes et athées, le pentagramme
devenu le symbole de la personnalité qui est la plus grande valeur de cette nouvelle époque. En franc-maçonnerie, l'étoile flamboyante symbolise l'illumination, la connaissance ou la gnose, la pensée libre, le génie, l'élévation de l'homme aux grandes choses, la dualité de pentagramme. Dans le domaine de l'homagerie, le pentagramme a deux significations. Le pentagramme droit, l'esprit, c'est l'homme, c'est le symbole de l'homme accompli, puisqu'elle représente sa nature physique et spirituelle. La volonté est associée à la terre, le cœur, à l'eau, la raison, à l'air, l'âme, avec le feu, l'éther, avec l'esprit. Avec le feu et l'éther, avec l'esprit. Ce symbole rappelle que l'homme vit dans l'univers et qu'il en est une partie de l'univers, poursuivant sa mission sur terre et est en harmonie avec lui. Ce pentagramme est également le symbole de la magie blanche. Pentagramme retourné, c'est le symbole de Baphomet, du bouc de Mendès et aussi de la magie malfaisante, on va dire. En effet, dans ce pentagramme retourné, on intègre parfois la tête de bouc. Symbole à une connotation malfaisante pour la simple et bonne raison que ce pentagramme retourné, c'est le symbole de l'église du malfaisant. Ce pentagramme est également le symbole de l'enfer où se trouvent les anges déchus. Il faut également penser à un corps humain difforme et sans tête. Le point esprit se trouvant normalement au-dessus des quatre points des éléments. Ici, c'est le contraire. L'esprit devient le point le plus bas. Donc, ce pentagramme représente également le triomphe de la matière sur l'esprit et toutes les aspirations matérialistes de ce monde. Et c'est très important, parce que malheureusement, désolé, mais là, et j'en ai parlé aussi par rapport au 5 sens, au masque, très clairement, là, on est bien d'accord, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis à côté. Là, on a un triomphe de la matière sur l'esprit. Et c'est quand même assez intéressant, ce qu'ils nous montrent, les yeux, comme, parce qu'ils mettent l'étoile à côté, ici. Bon, je parle vraiment par le vaccin, on parle d'oxyde de graphène, etc., on est bien d'accord, mais ça reste la victoire de la matière sur l'esprit. Ici. La tête, ici, c'est l'esprit. L'esprit est complètement saturé, complètement fermé. Ici, c'est la victoire de la matière. C'est la matière. En plus, la matière vert pâle. La couleur de l'absinthe qu'on a dans l'Apocalypse, en plus. Qui va dans l'esprit. Symboliquement, c'est très fort. Et c'est ce qu'il montre, en tout cas. Et très clairement, il montre l'étoile à côté, ici. C'est pour montrer que cette étoile à cinq branches, c'est la matière. C'est la victoire de la matière. C'est ce qu'il souhaite, mais en tout cas, c'est ce qui est en train d'être. Hein. On a très clairement le discours de Biden qui est à côté, qui dit qu'il faut vacciner le monde. C'est tout, il dit que ça. Et cette phrase-là, quand il dit vacciner le monde, on sait que c'est le vaccin contre le Covid. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il dit il faut vacciner le monde. Ben, c'est la victoire de la matière sur l'esprit. C'est implacable. Ce qu'il montre là, c'est. Ces quatre images-là, c'est absolument implacable par rapport au pentagramme. C'est implacable. Et ils font bien de mettre ces quatre images-là à côté pour bien comprendre la séquence. Très, très important. La symbolique chinoise, hein, on a déjà vu, hein, on retrouve donc la symbolique chinoise hein, par rapport au ras de métal. Là. On retrouve donc le pentagramme dans la symbolique chinoise. La signification veut que le bois engendre le feu. Le feu engendre la terre engendre le métal engendre l'eau, après quoi le cycle est bouclé, puisque l'eau engendre le bois. Il y a également la notion du contrôle, vu que le bois peut vaincre la terre, l'eau, le feu, le métal, et le métal, le bois, le cycle de retour est bouclé. C'est intéressant cette notion de cycle. Et on va voir ça juste après. Alors là, effectivement, j'ai préparé cette version en lecture immersive. Approfondition à cette notion du pentagramme après sa signification, on a bien compris. Maintenant, pour le coup, le pentagramme et l'homme. L'homme parfait sur mandalashop-online.com. On y va, c'est parti du pentagramme et l'homme. C'est la quintessence, bien sûr. Le pentagramme, l'étoile à cinq branches, est le symbole de l'homme parfait schématiquement. Il nous représente un homme dressé sur ses deux pieds, avec les bras écartés et la tête. Qui n'a pas en tête le fameux homme de Vitruve de Léonard de Vinci, bien sûr. C'est pour ça que j'ai mis ce lien. C'est une image quand même assez propre, assez intéressant, que nous fait Mandalashop avec cette écriture spéculaire là. C'est absolument impressionnant ce Vitruve là. Très 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 impressionnant. Par rapport au pentagramme, il a ses écritures ainsi. Hein. L'homme de Vitruve est inscrit dans un carré. Alors maintenant, là on va en profiter pour voir par rapport au 2019. C'est très intéressant dans l'analyse à Vitruve cybernétique bien évidemment
transposition. Hein. Un carré, symbole de la Terre, ces quatre éléments faisant référence aux quatre éléments. Eau, air, feu, terre et aux quatre points cardinaux. Un cercle, symbole du ciel. Symbole du ciel, le cercle c'est symbole du ciel, le carré c'est la terre, c'est intéressant. C'est la représentation de l'unité de la voûte céleste. Le ciel, en transmission de la terre, effectivement, et le carré c'est la terre. C'est vraiment extrêmement intéressant pour encore mieux décrypter ce symbole, que j'ai bien avancé bien sûr, mais. C'est toujours l'humilité, donc il y a toujours des choses à voir en plus. Ainsi, Leonardo da Vinci chercherait à représenter l'homme comme une créature terrestre de Dieu céleste, comme une créature de Dieu, donc une créature terrestre de Dieu céleste, et à montrer par l'usage de la divine proportion que l'homme, créature de Dieu, est parfait. Les extrémités du corps humain forment un pentacle en 7 broches. On est bien d'accord ? C'est intéressant ce niveau par rapport aux économistes 2019, de voir la pointe haute par rapport au pentacle, au pentagramme, le pentacle à 5 branches, et voir ce qu'il y a, et voir ce qu'il y a par rapport à l'étoile. Effectivement, ici j'ai pas la fluctuation du soleil en balance, faut voir. Intéressant vraiment. Le pentacle était considéré dans l'Antiquité comme un symbole de perfection et d'harmonie. Il transcende le nombre d'or d'origine divine. Il fut longuement étudié par les pythagoriciens, ce qui l'a rendu célèbre en géométrie comme symbole de beauté. D'ailleurs, Vitruve disait pour qu'un bâtiment soit beau, il doit posséder une symétrie et des proportions parfaites, comme celles que l'on trouve dans la nature. C'est la vision des anciennes civilisations d'énergie libre, tout simplement. Et on voit bien dans leurs anciennes constructions mégalithiques. Dans les documentaires réalisés par Patrice Poyard, La révélation des pyramides de Jacques Grimaud et Bâtisseur de l'Ancien Monde, et aussi de Fémi Krasinski, le fameux documentaire qui a eu plusieurs millions de vues quand même sur Internet. Grande Pyramide 4 2019, des documentaires intéressants. Quelque part, Léonard de Vinci cherchait à nous montrer que la nature et l'homme étaient régis par la géométrie sacrée, et étaient donc en relation directe avec le divin. C'est pour ça que l'oxyde de graphène, c'est autre chose. C'est autre chose. On est loin de ça. Il écrivait d'ailleurs en 1505 que les proportions se retrouvent non seulement dans les nombres et les mesures, mais aussi dans les sons. Il parlait aussi des vibrations, le poids, le temps, les positions, et dans toutes les formes de force qui puissent exister. Qu'est-ce que le nombre d'or ? Le nombre d'or fine, le symbole de la France insoumise. C'est intéressant de dire France insoumise, ça fait penser à franc-maçonnerie un petit peu. En sonorité, je veux dire. Mais bon, ça n'a rien à voir. Mais bon, quand même, c'est quand même intéressant au niveau symbolique. Un nombre d'or fit un nombre sacré, une proportion mathématique qui est égale à 1, le fameux 1,618, bien sûr. Après, vous savez, il y a d'autres personnes aussi qui arrivent à aligner les virgules, que ce soit de pi ou de. C'est impressionnant. Depuis l'Antiquité jusqu'à notre ère, le nombre d'or utilisé en architecture est appelé le nombre de l'harmonie, le nombre de la création, le nombre divin. Le nombre d'or est omniprésent partout dans la nature qui nous environne et dans tous les règnes. Le vivant a toujours utilisé cette loi de proportion pour naître et se développer au point même que notre œil est capable d'apprécier immédiatement de la présence ou de l'absence de cette proportion. C'est intéressant. Si on devait résumer ce nombre d'or, bien plus qu'un simple concept arithmétique, il est à la racine de la beauté. Ainsi, le pentagramme est construit selon ce nombre sacré. Si vous observez ce symbole, vous verrez qu'il se compose de 5 triangles et d'un pentagone régulier inversé. Si on divise les côtés du triangle par sa base, on obtient le nombre fil, le nombre d'or. Le pentagramme est constitué de 5 triangles d'or. 5 triangles isocèles dont les angles de la base mesurent tous les deux 72 degrés et le troisième 36 degrés joints autour du pentagone. Les formes. Des symboles sacrés construisent un chemin qui induit une circulation d'énergie spéciale à la forme et au volume. L'énergie ainsi créée permet d'élever sa fréquence et d'atteindre un certain niveau vibratoire qui ouvre la conscience et la compréhension. Ces symboles favorisent la circulation de certaines énergies, certains harmoniseurs et émettent leurs vibrations.
de forme par résonance, comme avec un bol de cristal par exemple. La symbole du nombre 5. Alors. Et non, je suis pas parti dans le livre de style des rosiers, parce que là, c'est très compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut développer. Et continuer de développer. Par rapport au nombre 5, là, c'est une quintessence de la symbolique du nombre 5. C'est le nombre de l'harmonie, de l'équilibre. C'est le nombre de la grâce divine, le chiffre 5 est caractéristique de l'homme. Selon le Kabbal, c'est le chiffre de l'homme parfait, débarrassé du côté animal, selon la Bible. Il est le symbole de l'homme-dieu. De par les cinq plaies du Christ, on croit à cette lettre, il est aussi considéré comme le nombre de la grâce. Le 5 se retrouve également dans le corps humain, les cinq doigts, les mains, les pieds, sans se toucher, les membres, les cinq os formant le métacarpe, etc. Envisagé comme médiateur entre Dieu et l'univers, le 5 est considéré comme symbole de l'homme. Pour Hildegard de Bingen, le nombre 5 est le symbole de l'homme. Celui-ci se divisant dans le sens de la longueur autant que dans celui de la largeur, va écarter en 5 parties égales et de la sorte pouvant s'inscrire dans un carré parfait. Symbole de la volonté divine, symbole de la perfection chez Maya, symbole de la conscience incarnée. 4 matière, 1 esprit. Symbolise la force et les limites de l'homme dans sa maîtrise sur l'univers. En Chine, c'est le nombre du centre en plus d'être considéré comme un nombre masculin porte-bonheur. Nombre de la vie et de la nature selon Ernst Happel, psychanalyste. L'homme est un pentagramme vivant. Le pentagramme a toujours fait partie des symboles de la tradition de la lumière. On le retrouve dans les enseignements de Pythagore. Des formations d'Eliphas Lévi, d'Omram Mikhail Ivanov, de Peter Donov, etc. inspirés par ce symbole magique qui représente l'homme. Ce dernier l'intégra dans la danse sacrée de la panurimie en une série de mouvements qui placent l'homme, le microcosme, en harmonie avec le macrocosme qui est l'univers. Le pentagramme est le symbole de l'homme avec les deux bras et deux jambes et la tête. Il est le symbole du bien et du mal parce qu'on peut dessiner l'étoile à cinq branches avec la pointe de la tête vers le haut ou bien vers le bas. Le pentagramme avec la pointe de la tête vers le haut représente la conscience, l'intelligence. Gouverne le monde et quatre éléments. Cette étoile, c'est l'homme debout, la tête hors de l'eau qui peut agir dans son propre rayon, son être véritable, et ainsi équilibrer et guérir, inoublir toutes les forces déréglées anarchiques qui peut mettre de l'ordre par un pouvoir supérieur, qu'il capte avec la pensée. En revanche, le pentagramme inversé, et ce qu'on est en train de voir en ce moment avec la vaccination contre le Covid global, très clairement, hein. Pentagramme inversé est le symbole des forces déchaînées qu'on ne peut plus contrôler et qui se combattent. C'est le principe du mal. Dans l'Apocalypse, on parle d'une bête à cornes qui sort de la mer pour détruire. Les roses croix du Moyen-Âge ont écrit 666 au milieu du pentagramme inversé. C'est le sceau de la bête de la bêtise qui était placé sur le front des hommes pour l'intelligence et sur la main des hommes pour l'action. Aujourd'hui, il est très difficile de garder la tête en haut car nous sommes malheureusement pris par les forces de la matière. Ils vont vers le bas, les instincts, la conscience et la passivité. Il y a un monde autour de nous qui veut que nous soyons passifs, inconscients et que nous agissions d'une façon instinctive. Cette période de coronavirus est très instructive car elle révèle au grand jour ces forces qui nous tirent vers le bas. Le pentagramme nous rappelle que nous devons fixer et maîtriser ce qui appartient à la chute. Il nous rappelle... Nous devons nous en libérer pour vivre avec notre âme et en plein accord avec notre être profond. Redresser le pentagramme signifie reprendre sa vie en main. Effectivement. Et dans la religion de l'islam, on parle aussi de cinq piliers. Alors, c'est aussi intéressant. C'était pas marqué, mais c'est aussi intéressant à noter. Beaucoup d'êtres ont des problèmes dans leur vie dont ils ne voient pas la provenance. C'est comme s'ils avaient un ennemi invisible qui les frappait et qu'ils se débattaient dans le vide sans jamais rien attraper. Et il est pourtant possible de saisir ces ennemis invisibles comment par la pensée, en les faisant apparaître par les nombres et par la géométrie, par les pensées structurées. Cet enseignement provient d'une ancienne sagesse. Jadis, les hommes dessinaient des animaux dans les grottes, effectivement sur les pierres, quand ils voulaient matérialiser l'abondance. Aujourd'hui, on voit. Ça, c'est plutôt le site qui fait ça qui propose des produits au niveau shopping. C'est quand même
extrêmement intéressante pour cette séquence du pentagramme, pour clôturer cette séquence hein, du drapeau américain. Mais pas du chapitre ésotérique, puisque le chapitre ésotérique est lié aussi au-delà. La nuance qui continue juste après cet onglet. C'est un autre aussi, hein, parce qu'on a aussi le de là, c'est une histoire, il y a aussi l'origine du symbole du de là. Deux liens, l'origine de dollars, la monnaie américaine, dont je fais la corrélation dans cette vidéo, qui semble évidente. Dans un premier temps, lecture immersive sur gralon.net par Audrey. En lecture immersive, bien évidemment. Le dollar que nous voyons ici. Alors, c'est intéressant, les économistes, toujours de manière rétroactive. Je ne sais pas si on voit un dollar ici. Bon, dans 2016, oui, très clairement, on voit un dollar en parachute. On voit un dollar en parachute. Et en plus, les USA avec le total bond, c'est quand même. Et puis en 2021, on nous parle du fonds stimulant ici aussi. D'ailleurs, on a déjà cette machine à sous. Elle fait référence aussi à ça. C'est pour ça qu'ils ont mis l'image de 2021. Ça fait penser à ça. À quelqu'un, c'est pas forcément Warren Buffett ou c'est quelqu'un qui tire. Vous voyez, là, on voit pas si. Et il y a quatre lignes comme dans 2021. Et ça, c'est vraiment intéressant en transposition pour le coup. Non, on voit le dollar très clairement. En chute libre avec un coin ici. Avec un coin, une pièce. Parachuté. Très 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 intéressant ce qu'il nous propose 2017 c'est quand même après c'est assez compliqué de revoir le dollar après mais bon, très clairement là on voit le symbole du dollar pour le coup et juste en dessous la chute d'une éolienne c'est quand même inquiétant mais au final malheureusement logique. Je suis désolé, mais là on est au bord du gouffre. Il faut que les gens aussi s'en rendent compte, quand même. Voilà. C'est quand même important. Le dollar, histoire d'une monnaie mythique. Le dollar américain, qui est la monnaie la plus utilisée dans le commerce international, est devenu la monnaie nationale des États-Unis en 1792. Nous vous proposons de retracer l'histoire de cette devise d'impression. Des premiers billets du système actuel. Alors que l'on désigne généralement sous ce terme le dollar américain ou le dollar US, le dollar est également le nom de la monnaie, effectivement. Dans plusieurs pays, dollar australien, canadien, Caraïbes, Hong Kong, Singapour, Taïwan. Le dollar US est la monnaie la plus utilisée pour les transactions dans le monde et la deuxième monnaie en circulation derrière l'euro depuis 2006, depuis décembre 2006. Les caractéristiques du dollar, les billets de la Fed, la réserve fédérale américaine sont imprimés et émis en coupure de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 dollars. Chaque billet. Et cette devise comporte un personnage célèbre de l'histoire des États-Unis. Non. Côté face et un bâtiment en emblème côté pile. Le billet de $1 représente George Washington, le 2 Thomas Jefferson, le 5 Abraham Lincoln et le 10 Alexander Hamilton. Le $20 Andrew Jackson, le 50 Ulysses Grant et le $100 Benjamin Franklin. D'où vient le nom ? Le mot dollar est dérivé du nom d'une autre monnaie, le thaler, très utilisé, à partir du 15e siècle dans l'empire des Habsbourg, puis dans le monde entier. Cette monnaie se répandit en Amérique latine, où elle prit le nom de dollar. Quand les États-Unis acquirent leur indépendance, ils choisirent aussi le dollar pour monnaie. L'origine du S est controversée. Il pourrait dériver de l'appellation Spanish dollar, Spanish pillar dollar. Pillard, c'est quand même intéressant ça, des armoiries espagnoles comportant deux colonnes qui figuraient sur les dollars d'argent. La naissance du dollar US. Avant la guerre d'indépendance, les colonies américaines utilisaient des monnaies très diverses. Dollar espagnol, louis français et même des pièces fabriquées par des particuliers. Le premier dollar américain a été imprimé par la colonie du Massachusetts en 1690. En 1775, le Congrès continental décida de créer une monnaie pour financer la guerre d'indépendance. C'est par le Mint Act du 2 avril 1792 que le Congrès établit un système monétaire avec le dollar comme monnaie de référence. Les premières pièces américaines ont été frappées à Philadelphie en 1793.
Il a fallu attendre la loi du 17 juillet 1861 pour que le gouvernement américain émette les premiers billets. La célèbre devise « In God we trust », en Dieu nous croyons, est apparue sur la pièce de 2 cents en 1864. Elle est systématiquement imprimée sur les billets américains depuis 1955. Le système de la Fed est né en 1913. C'est en 1914 que les banques fédérales ont commencé à émettre des billets. Aujourd'hui, plus de 99% des billets américains en circulation aujourd'hui sont fabriqués par la Fed. Le dollar US aujourd'hui est la principale monnaie de réserve utilisée dans le monde, la devise la plus employée dans le commerce international et la principale devise traitée sur le marché d'échange. 89% des transactions en 2004. C'est le Bureau of Engraving and Printing, division du département du Trésor, qui produit les billets du système de la Fed pour remplacer les billets usagés jusqu'en 1991. Tous les billets étaient imprimés à Washington DC. Un second bureau a été ouvert à Fort Worth, au Texas, pour faire face à une demande de croissance. L'encre utilisée, dont la formule est tenue secrète, est fabriquée exclusivement au Bureau of Engraving and Printing. Intéressant tout ça. Bien sûr, voilà pour l'origine de la monnaie. Mais qu'en est-il de son symbole, le fameux S et deux barres sur Jack 35.fr en lecture immersive. La curieuse origine du symbole de dollar. Avec ce fameux serpent dont je parlais. Le caducé, le serpent. Le signe du dollar pourrait représenter l'histoire biblique du serpent. Le symbole du dollar pourrait également être basé sur le symbole alchimique d'un S en haut de la lettre T. C'est deux barres, ça peut être assez intéressant. Le symbole du dollar est l'un des plus puissants du monde et il représente le rêve américain et le succès, mais il évoque aussi le consumérisme, la cupidité et le capitalisme. Emprunté par la culture pop, reproduit dans une série graphique d'Andy Warhol, il a aussi été utilisé dans le codage informatique. Pourtant, les origines du S barré restent floues. L'histoire de la livre sterling remonte à plus de 1200 ans. Elle fut utilisée pour la première fois par les Romains comme abréviation de Libra Pondo, soit un livre en l'unité de base du poids de l'Empire. Les Anglo-Saxons ont conservé la lettre L et la barre transversale. À Paris, plus tard, avertissait de la présence d'une abréviation. Le thaler du royaume de Bohème. En 1520, le royaume de Bohème a frappé les pièces de bonheur en utilisant l'argent d'une mine de Joachimsthal, soit la vallée de Joachim en allemand. La pièce aurait été surnommée de Joachimsthaler, qui aurait été ensuite raccourcie en Thaler. Les premiers immigrants hollandais arrivés sur le sol américain auraient utilisé cette pièce et le nom serait devenu Thaler en anglais, dont le dérivé serait dollar, dollar, dollar. Une origine ésotérique. Certains identifient aussi le signe de dollar comme la représentation d'un serpent sur une croix chrétienne. Il s'agit d'une référence à Moïse qui enroula un serpent de bronze autour d'un mât afin de guérir les personnes mordues. Un lien avec l'Espagne, une autre version établit une ressemblance entre les piliers situés à l'endroit du détroit de Gibraltar et ceux qui figurent sur les armoiries nationales de l'Espagne et au 18e et 19e siècle sur le dollar espagnol. Qui était aussi connu sous le nom de pièces de 8 ou peso. Les deux piliers étaient entourés de banderoles qui formaient un S du fait du nombre des échanges commerciaux entre les Américains espagnols et les Américains anglais à l'époque des colonies. C'est la théorie la plus largement acceptée. Cette dernière théorie, toutefois critiquée par ceux qui la jugent partisane de l'origine d'un des principaux symboles des États-Unis, viendrait d'Europe, à une heure où les Américains sont très critiqués. Une imprimerie de Philadelphie. Et j'en terminerai là. Il faut remonter aux années 1790 pour trouver le premier signe d'impression du dollar dans une imprimerie de Philadelphie. Un fervent patriote américain, ou du moins un écossais farouchement anti-anglais, nommé Archibald Byng, en serait l'origine. Donc, notion très intéressante hein. Concernant la compréhension de l'origine du symbole du dollar. Approfondissons, nous on aime bien ici approfondir de manière ésotérique encore une fois, comme la composition de cette encre. Rien à composition de cette encre, ça va être compliqué. Et finalement, cette encre, ce qu'elle y imprime, à partir du moment où cette encre est secrète,
ce qu'il y imprime, pourquoi pas, et secret aussi, sur le billet d'un dollar très mystérieux. Et très très bien décortiqué sur le blog de sh-ja-5.overblog.com. C'est quand même assez fantastique ce lien de compréhension ésotérique. Semble un billet d'un dollar, symbole maçonnique, Illuminati. Le billet peint par les francs-maçons, pour le coup avec leur encre, donc c'est secret toujours. Il a subi beaucoup de modifications. Là, très clairement, il n'y a pas de quintessence, il y a quand même. C'est quand même. C'est pas que c'est la base, mais. Il y a quand même. Oh, le micro, quand même important. Voilà. Il y a quand même. Beaucoup de choses à voir sur ce dollar, de rien. Et encore, là, je suis. C'est un lien qui synthétise bien. Il a subi beaucoup de modifications et de changements tout au long de son histoire. Tous les billets d'un dollar sont fournis par la Fed et 45% de la monnaie états-unienne est en coupure d'un dollar. C'est pour dire combien le symbole est répandu, même si 99% des gens ne l'ont jamais remarqué. La durée de vie moyenne d'un billet de 1 dollar est de 21 mois. La personne représentée sur le billet est le franc-maçon George Washington. Une information complémentaire, mais les billets sont livrés par la Fed dans des boîtes entourées de lanières bleues. Lanières bleues et l'encre, une encre mystérieuse. Date clé, le symbole de la pyramide, il n'y a rien de mal avec ce symbole. Seulement avec ses utilisateurs. N'oubliez jamais qu'un symbole n'est ni mauvais ni bon, c'est juste un symbole. A été placé secrètement sur le côté renversé du sceau des USA en 1782 et 100 ans et quelques plus tard, en 1935, le sceau renversé des États-Unis, qui est ignoré de tous à cette époque-là, fait son apparition pour la première fois sur le billet de l'ordre. Les inventeurs du grand saut ont été William Barton pour la pyramide et Charles Thompson pour l'aigle. Il a d'ailleurs été inspiré par un anglais du nom de John Prestwich. Actuellement, il existe une pyramide qui est encore plus vieille que celle du grand saut que l'on retrouve sur les billets confédérés de 50 dollars en 1778. Le design a été inventé par Hopkins. Je vous conseille de lire le livre Founding Fathers Secret Societies par Robert Hieronymus. Il faut porter beaucoup d'attention sur le billet vert. La version officielle dit qu'il n'y a absolument aucun symbole occulte sur le billet. Mais c'est bien loin d'être la vérité. On peut passer des heures à observer et voir cette logique ésotérique en action. Par exemple, il y a 72 pierres sur la pyramide, ce qui représente les 72 noms de Dieu selon certaines théories. Il y a beaucoup de théories, mais il n'y a qu'une seule vérité. Malheureusement, la vérité n'est pas communément disponible pour nous, donc il faut vous forcer à faire des recherches vous-même. On peut lire sur la tombe de George Washington représenté ci-dessus, Freemason and First President, ce qui veut dire franc-maçon et premier président. Et donc pas le contraire. Président, premier président et franc-maçon. Comment se fait-il que ce soit dans cet ordre et pas dans l'autre ? Simplement parce que la franc-maçonnerie est une organisation plus puissante que le gouvernement américain. Parce que le gouvernement américain, déjà les États-Unis, ont été fondés par des maçons. Rien de mal à ça. Sauf que la maçonnerie, qui doit s'occuper de discipline des individus et de les aider à accomplir leurs intégrités dans ce monde, change beaucoup depuis la bombe nucléaire. Tous les francs-maçons au sommet de la pyramide travaillent en partenariat main dans la main avec d'autres fraternités secrètes dans le but d'accomplir un nouvel ordre mondial. Par exemple, c'est aussi un franc-maçon, Franklin Delano Roosevelt, qui a décidé de mettre le sceau caché des USA sur le billet d'un dollar. Et même si Roosevelt était franc-maçon et a décidé de placer la pyramide sur le billet d'un dollar, de la réserve fédérale, ce n'est pas parce qu'un franc-maçon utilise le symbole et s'en inspire, le fameux New Deal vient tout droit du Novus Ordo Seclorum. Ils ont redécouvert le symbole. Apparemment, il est mort plein de fois dans l'histoire des USA et il a refait apparition en 1935. Le phénix est devenu un aigle aussi. Graduellement, ça a changé. Et dans toute cette confusion, on a attribué sa création aux francs-maçons à cause de cela. Mais il n'y a réellement aucune preuve qu'un groupe ésotérique soit derrière la création du grand sceau des USA. Ou que des membres d'ordre secret aient pu influencer William Barton et Charles Thompson. Ce n'est pas un aigle seul, mais sachez qu'il n'y a aucune preuve de cela, donc il n'y a pas réellement de pyramide illuminative.
Mais ce n'est pas pour autant que la pyramide du Grand Sceau perd de l'importance. Bien au contraire, il va falloir découvrir qui a inspiré ici. C'est intéressant. Ce reproduit, vraiment c'est très intéressant le tirage, merci. C'est absolument fantastique. Ce reproduit à Croix de David sur le côté du billet où se trouve la pyramide, on constate que chaque pointe de l'étoile de David, qui est la marque hindoue de Vishnu, pointe une lettre grossièrement. Asnon Mason, franc-maçon en anglais. Ah, effectivement, je me suis dit, c'est intéressant ces lettres, ça fait penser au 2020. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand même extrêmement intéressant. C'est quand même extrêmement intéressant. Ici, on voit la lettre A, R, M, O. Et N, on ne voit pas. C'est quand même extrêmement intéressant, mais c'est sur deux lignes. Ici, par exemple, c'est plutôt ce mot-là. Alors, c'est plutôt. Alors, je reviens ici. Alors je reviens ici. Mon Asnom. Alors, ici, on n'a pas de N, mais je pense avoir vu un N ici. Très clairement. Je ne dis pas qu'ils se donnent entre eux des infos. C'est plutôt ici, voilà. J'avais du mal à trouver les deux lignes. Et très clairement, ici, on voit les... C'est sur deux lignes. Hein, c'est sur deux lignes. Mais c'est très proche de Sion, ici. Hein, A-S-N-O-N. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je ne sais pas. Ici aussi, on a M-O-A-S. Et R, c'est quand même assez intéressant. Ce qui est une preuve de l'implication des maçons, on les appelle francs-maçons, en rapport avec la construction du temple de Salomon, qui est la base dans la franc-maçonnerie, en tout cas de cette séquence. En tout cas, la maçonnerie existe dans les anciennes civilisations, mais c'est pas du tout les mêmes séquences. Ils sont aussi les maçons pour être les grands bâtisseurs des cathédrales. La plupart des cathédrales ont été construites par les ancêtres des francs-maçons. Sont en fait les chevaliers du temple de Salomon, l'ordre des Templiers. Avec la lettre G. Comme nous le disions, une preuve que les francs-maçons sont impliqués, je n'ai rien contre les francs-maçons, les loges et les différents ordres qui existent parmi les francs-maçons. J'aime bien ce homme parce qu'il est humble. Voilà. Il dit les choses très clairement. Je n'ai rien contre les francs-maçons, les loges et les différents ordres qui existent parmi les francs-maçons. C'est important de le dire, c'est comme les symboles, ça, ni bien ni mal, c'est son utilisation. Très important de rappeler ça à chaque fois. La plupart des membres sont des personnes qui ont réussi dans la vie, qui ont une belle carrière et autre chose de la sorte. Je n'ai rien contre ce genre de personnes. Et les vrais ennemis sont au-dessus de la pyramide et non pas aux étages en dessous. Détester un franc-maçon est réellement injuste. Ce n'est pas le petit FM, franc-maçon des loges bleues, moitié catholique, moitié laïque, qui cherche à imposer un New World Order. Tout ce que vous allez découvrir dans votre quête de la vérité, à voir avec les mystères des anciens, la quête de la conscience en faisant des analogies, en reconnaissant certains modèles, peu importe l'échelle dans laquelle ils se trouvent. Les symboles sont les produits intellectuels de ce mécanisme d'association. Vous retrouverez beaucoup de symboles que vous allez étudier dans la nature, sauf que là, ce qui nous intéresse n'est pas un symbole que l'on rencontre dans la nature. Franchement, c'est un bon montage ésotérique fait par la franc-maçonnerie. Certains soupçonnent les Illuminati, mais de nos jours, ce ne sont pas les Illuminés de Bavière que vous appelez Illuminati, mais le cartel de financiers internationalistes. Ils sont aussi anglophones, british et israélites, selon d'autres théories, etc. Car il y a bien un coupable, quelque part, pas vrai, le fait que l'on ait dissimulé la pyramide de Khéops tout ce temps derrière le grand sceau des USA est louche. En soi, traduction du latin annuit coeptis et novus ordo seclorum. Annuit coeptis, notre entreprise est désormais couronnée de succès. Quelle entreprise? Exemple, la Fed. Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre séculier, ou le nouvel ordre des siècles, le nouveau deal des siècles, mais plus couramment, la traduction est le nouvel ordre mondial, alors qu'il s'agit d'un nouvel ordre séculaire. Observation sur la base de la pyramide. On peut voir l'inscription d'une année faite en chiffre romain sur la base de la pyramide. 1776, cette année symbolise la création
du Grand Sceau des États-Unis, l'année de fondation de la secte des Illuminati, le 1er mai. Déclaration d'indépendance des États-Unis, le 15 juillet suivant. Le côté occulte du billet de 1$. Le billet de 1$ contient plein de symboles occultes très anciens, tels qu'une pyramide égyptienne, un aigle, une croix de David formée par 13 petites étoiles, une petite chouette et autres. Et justement, cette petite chouette, ça me fait penser au t-shirt de noir de Macron. Et ensuite, il y a eu des soucis, la France en tout cas, au niveau géopolitique par rapport à cette crise des sous-marins. Je pense pas que c'est lié, mais. Parce que la petite chouette, c'est par rapport au Bohemian's Club, c'est anglo-saxon quand même, non? Mettre un t-shirt noir sur TikTok. En plus, c'est très économiste TikTok finalement. Oui, alors effectivement. Effectivement, on a cette référence au Bohemian's Club ici. Effectivement. Effectivement, il y a une image qui symbolise le Bohemian's Club. Une tortue, mais peut-être qu'on la voit pas ici. La Fabian Society, plutôt. Puis ici, on a TikTok. TikTok, les jeunes et la chouette. C'est, entre guillemets, c'est pas. La petite chouette, c'est le Bohemian's Club, c'est pas. C'est anglophone, quoi. Bohemian's Grove, etc., c'est aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'il y a une coalition. Il y a une coalition anglo-saxonne, pas contre Macron, mais. Là, c'est la seule explication. Il y en a d'autres, mais. C'est quand même. Comment c'est fort ce qu'il fait? Parce que c'est pas français, la chouette. C'est pas français. Donc, Emmanuel Macron. Mettre une chouette, les gens ont déjà regardé sur internet c'est quoi la chouette, donc c'est assez étrange cette affaire quand même, parce que de rien, c'est un président de la République qui met une chouette en t-shirt noir, donc il y a quand même des millions de gens qui ont été voir, là ça grince énorme, c'est parce que c'est anglophone, c'est important de noter, le billet contient des textes en latin, ainsi qu'une symbologie maçonnique égyptienne roumaine. Regardez la petite pyramide qui flotte au-dessus de la base. L'œil à l'intérieur de cette petite pyramide repose Horus, le dieu de l'Égypte ancienne, représenté dans une pyramide égyptienne et non pas américaine, car il n'y avait pas de pyramide aux USA au XVIIIe siècle. En aucun cas, le symbole de l'œil est un symbole malfaisant. Le symbole de la pyramide de l'œil est un symbole sacré représentant l'œil du dieu Horus. Dans la mythologie égyptienne, c'est aussi la Trinité. Le seul côté malfaisant de tout ça réside dans la manière dont le symbole est utilisé. Et par qui il est utilisé, pourquoi? Et ça, c'est intéressant quand je lis ça. Vraiment. C'est un lien qui est très intéressant. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Horus, fils de Dieu, tout comme Jésus, représente la naissance du soleil. À chaque fois que le soleil se levait, les Égyptiens le nommaient Horus. Non, ça vient de là. Horus, Horus, bien sûr. Horus est une divinité solaire. Voilà pourquoi. De la lumière jaillit autour du triangle flottant, car c'est l'œil d'Horus qui représente le soleil. C'est intéressant aussi de voir ici la représentation du soleil de cette façon-là. Très 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 intéressant. Il y a environ 10 000 à 8 000 ans, notre civilisation a commencé. Non pas démarré avec le confort que l'on a aujourd'hui, la chose qu'il redoutait le plus, c'était l'obscurité, la nuit. Même pour nous aujourd'hui, nous avons toujours cette peur du noir au fond de nous, à croire que c'est la nature humaine. Car si le soleil ne se lève pas, nous sommes morts. Par conséquent, évidemment que le soleil est un symbole encore utilisé de nos jours, encore et encore, le sauveur du monde, sauf sans lui, la vie ne tiendra pas une seule journée sur Terre. Et qu'il fut utilisé par les civilisations anciennes et primitives de notre ère. Les Égyptiens en ont fait un culte et il nous faut se mettre à leur place pour comprendre. Alors, les symboles, le hibou, la chouette est visible sur le côté du billet d'un dollar. Où on voit le portrait de George Washington. Le symbole du hibou nous vient tout droit des Cananéens. La chouette est un animal sage car elle peut voir dans le noir. C'est aussi le symbole utilisé par le logo. Le symbole utilisé pour le logo du Bohemian Club, une société secrète. Les plus puissants têtes du monde. Rocard jusqu'à Destin sur Nice. Toutes les deux dernières semaines du juillet dans une forêt en Californie pour vénérer une malfaisant, un dieu cananéen. Moloch. Donc on va voir hein, le hibou, en petit quand même, hein, dans le dollar. L'aigle a toujours été utilisé, on voit bien dans le The Economist
87, hein, la symbolique du phénix, avec le dollar qui renaît de ses cendres, avec ce coin dans le 2016 qu'on voit, qui est parachuté. Comme le coin. Le fameux GovCoin qu'ils montrent dans leur numéro de l'hebdomadaire du 8 mai 2021, le GovCoins, avec le G encore, les lettres G, a toujours été utilisé comme le symbole des grands empires. C'est aussi une constellation. Napoléon utilisait l'aigle, et il y a aussi les deux premiers antéchrist de Nostradamus. L'Allemagne d'aujourd'hui utilise l'aigle, l'Égypte et d'autres pays utilisaient l'aigle ou un animal se rapprochant de celui-ci. Globalement, le phénix est quand même un symbolique global, comme le serpent d'ailleurs. L'aigle représente le soleil, il a toujours représenté le soleil, et ça, peu de gens le savent. L'aigle est principalement le symbole de l'Empire romain. Les Romains empruntaient beaucoup de symboles égyptiens, car ils étaient fascinés par toute la magie de l'Égypte antique, ancienne, et aussi par la Grèce antique. Aujourd'hui même à Paris, on a la pyramide du Louvre, Concorde, l'Arc de Triomphe, donnera accès à 12 éléphants. L'Arc de Triomphe qui est symboliquement qui est clôturé. Enfin, clôturé, c'est-à-dire symbolisé par un drap. Symboliquement, dans cette période, c'est fort. Hein, ça doit interpeller les gens, ça. L'Arc de Triomphe qu'on clôture comme ça, qu'on met des draps, ça peut interpeller. Donnant accès à 12 rues différentes symbolisant le soleil et 12 signes astrologiques, tout cela est égyptien. La civilisation peut être considérée comme la nouvelle Égypte ou la nouvelle Atlantis, qui a été dirigée par l'Empire romain pendant plus de 2000 ans, et encore aujourd'hui, l'Empire romain contrôle le monde sous le symbole de l'aigle. L'aigle cache en fait un phénix en rapport avec la civilisation égyptienne. Un phénix issu de plusieurs renaîtres de ses cendres, c'est l'idée de mourir pour renaître, cycliquement, un peu comme les attentats du 11 septembre, qui ont donné le signal de départ de cette étape transitoire et du commencement de l'accomplissement de l'agenda secret tel qu'il avait planifié par Trump. Cet agenda ne suffit rien, qui prévoit une civilisation humaine sans Dieu, sans spiritualité. On voit bien avec ce qui se passe, hein, ce qui se passe avec cette vaccination globale. Simplement, sa spiritualité dans un gouvernement internationaliste, fasciste, humaniste, communiste en fait. On voit encore en 2007 dirigé par l'élite. 2016 est en 2017 avec cette carte de la tour, toujours selon certaines, dirigée par l'élite, hein, selon certaines théories du complot. Les Romains se sont inspirés du symbole du phénix égyptien que l'on voit pratiquement tous les jours dans la publicité commerciale, etc. Bref, les Romains ont beaucoup influencé, étaient influencés par la civilisation égyptienne. La pyramide, encore un symbole égyptien. Vous ne trouverez pas de pyramides en Amérique, vous les trouverez en Égypte. Ah, le paquet de Marlboro, bien sûr. Numérologie sur le billet de 1 dollar. Sur le billet, on trouve 72 pierres sur la pyramide symbolisant les 72 dieux de l'ancien monde. 13 étoiles qui font une tour de David, pyramide de 13 étages, 13 lettres qui composent le mot Anuit Coeptis, les 13 rayures du drapeau. 13 trous sur le compas maçonnique. 13 feuilles sur la droite de l'aigle. 13 flèches sur la gauche de l'aigle. 33 plumes sur la gauche et 32 plumes sur la droite de l'aigle qui symbolisent les différents rites d'Écosse de la franc-maçonnerie. Il existe 33 différents degrés dans la franc-maçonnerie du rite écossais ancien et accepté. Le chiffre 13 est un chiffre important dans l'ésotérisme, parce qu'il est un chiffre malchanceux. C'est pour ça qu'on utilise les 12 constellations et que le serpentaire en met de côté. Et la raison pour laquelle nous disons que c'est malchanceux et que le chiffre 13 est inspiré de Dieu et les 12, le chiffre 12 représentant les 12 maisons du zodiaque, les 12 mois de l'année, les 12 apôtres de Jésus, les 12 chevaliers, la table ronde, l'armée, les 12 singes, les 12 travaux d'Hercule, etc. Alors vous retrouvez le nombre 12 beaucoup de fois dans la Bible, ce nombre est en rapport avec le zodiaque et surtout toujours le nombre du soleil, sauf que dans une certaine logique, le zodiaque étant 12 constellations, plus le soleil, et 13 serait la combinaison de 12 maisons du zodiaque et de Dieu. Et il y en a 13 ans. C'est-à-dire que qu'avant nous avions seulement le zodiaque, mais maintenant le zodiaque est en harmonie avec Dieu, ce qui fait 13. Donc 13, ça peut être utilisé, voilà, pour une browser, c'est possible, effectivement. Mes superstitions sont ridicules, bien que certaines personnes continuent de perpétuer ces conneries et ça marche. Le numéro 13 symbolise aussi la révolte de Lucifer dans la théologie chrétienne. Chacun son interprétation, car il y en a plusieurs. On peut voir 13 étoiles former l'étoile de Saturne. Et non, l'étoile. Le vendredi 13 est un jour malchanceux, car c'est là
pas c'est ce jour-là que tous les chevaliers du temple ont été traqués et envoyés au bûcher sous les ordres du Vatican, cela partout en Europe. Ensuite, ils sont partis se réfugier en Écosse. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qu'on était, qu'ils adoraient le malfaisant, sous la forme d'une chèvre. La propagande nous raconte aussi que ce chiffre 13 représente les 13 États qui constituaient alors le début des États-Unis d'Amérique. Et ce n'est que la version officielle qu'on apprend aux enfants aux USA. Donc le film Benjamin Gates, c'est intéressant. Pour en savoir un peu plus. George Washington sur le billet de 1$. Sur chaque côté du portrait de George Washington, on peut voir 8 feuilles et 5 fruits. 8 plus 5 égale 13, encore une combinaison pour aboutir à 13. Hommage à la Révolution française porteur. Maintenant, on peut voir le nombre 1789 sur le billet. Ça date de la Révolution française, mais c'est aussi le résultat de 1776 plus 13, 1789. On peut compter 13 troncs en forme d'étoile sur le compas maçonnique. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien développé, pour le coup. Je crois que je vais faire une pause. Et je vais faire une deuxième vidéo après, parce que là on est quasiment à 2 heures. Donc c'est bien de faire une deuxième partie, parce qu'il y a d'autres onglets, où j'aimerais bien aussi développer, de manière plus large. Donc au lieu de faire une vidéo de 4 heures, faire deux vidéos de 2 heures, une partie 8 en deux séquences, ça peut être intéressant aussi. Alors pour plus de confort, pour moi aussi, faire une petite pause. C'est quand même très intéressant. Alors, impressionnante analyse sur le dollar, vraiment très... Je vais mettre en lien, ne vous inquiétez pas, hein, pour bien revoir tout ça. Et avec des liens complémentaires, comme je disais. Et ça me permettra aussi de mettre les liens complémentaires. Avoir aussi à de la place. Au niveau du descriptif, avoir de la place, tout simplement. Pour bien développer cette vidéo, parce que c'est quand même très important. Impression d'analyse sur le dollar de manière ésotérique. Pour clôturer le sujet ésotérique, l'inscription du G dans le pentagramme se nomme l'étoile flamboyante. Et aussi, bien évidemment, on ne va pas se quitter ésotériquement sans parler de l'ouroboros. Bien évidemment, le serpent qui se marque la queue pour cette conclusion ésotérique et culturer cette première séquence de la 8e partie. On va passer au secteur économique globalement. Une deuxième partie bien économique. L'étoile flamboyante sur grande hiérophanie mondiale. Là, c'est deux paragraphes pour le coup. Lyon, commencer au 4e paragraphe. Alors, mais l'étoile flamboyante est un pentagramme tout à fait particulier. Son flamboiement, souvent représenté par des flammes jaillissantes entre l'espace qui sépare les pointes de l'étoile, l'en distingue. Elle irradie, illumine de l'intérieur, apportant un élément de connaissance universelle. S'efforçant de construire une unité parfaite qui parfois vient entourer l'étoile sur la forme d'un cercle. L'étoile flamboyante devient ainsi symbole d'espoir car elle écarte les ténèbres à l'image des rois mages. Puis en plus des éclairides, la tradition judaïque fait d'ailleurs des étoiles une représentation des anges par opposition à l'hexagramme stable, le pentagramme est un symbole dynamique. L'étoile devient ainsi un processus et non une fin en soi, indique un chemin. Elle est souvent évoquée sans la lettre G en 60 l'étoile. Que sans la lettre G en 60, l'étoile ne serait pas flamboyante. Autrement dit, le G serait la cause du flamboiement intérieur de l'étoile. Bien qu'auparavant connu, Wirth situe son apparition dans la franc-maçonnerie française à partir de 1737. Beaucoup ont cherché à expliciter la présence de cette lettre au centre de l'étoile. On a trouvé les sources. Sont évoqués tous les noms, commençant par la lettre G, à commencer par les mots étrangers comme God ou Cot, par exemple. Cependant, cette interprétation ne tient pas compte de la prééminence du français à l'époque moderne. Il pourrait s'agir de gloire, grandeur, géométrie, gravitation, géométrie, génie, gnose. La difficulté s'accroît lorsqu'on s'aperçoit que la lettre G avait auparavant la même valeur phonétique que la lettre C. Le nombre de possibilités devient ainsi plus important. Chacun possède son propre avis. Mais l'énigme reste entière. Grammaire, géométrie et surtout plus probablement gnose, c'est-à-dire la connaissance portée par la lumière de l'initiation, peuvent chacun être à l'origine de cette lettre qui suscite l'interrogation. Voilà pour cette séquence. Il y a quand même beaucoup de choses sur ce site, sur ce lien.
que n'hésitez pas à revoir. Alors, pour clôturer cette séquence ésotérique et finir cette première partie de la vidéo, on est quand même à 2 heures. L'Ouroboros, la symbolique ultime du serpent, avec un dossier complet sur esprit-serpent.com. C'est vraiment extraordinaire, tout simplement. L'Ouroboros et sa signification. Et j'en profite pour cette dernière séquence ésotérique. On passe au chapitre économie. L'Ouroboros, définition. L'Ouroboros est un symbole représentant un dragon, un serpent qui se mange la queue. Il forme généralement un cercle et aussi appelé Ouroboros. Vous avez pensé à Horus en plus, c'est intéressant. L'Ouroboros et son étymologie sont très anciennes. L'origine du mot Ouroboros provient du grec Oura signifie queue et Boros signifie manger. Donc littéralement, à la question que veut dire Ouroboros en français, la réponse correcte est celui qui se mange sa queue. L'Ouroboros, c'est ainsi l'explication de l'expression, c'est le serpent qui se mange la queue. C'est très important, cette symbolique-là. Et depuis même la première séquence de ce drapeau du serpent sonnette, hein, et de ses 13 étoiles, de ses 13 bandes rouges et blanches. C'est une fameuse don souhaite, mais très 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 important, le Ouroboros. Un symbole intemporel. C'est un des plus anciens symboles mystiques au monde. Il est le plus souvent représenté par un serpent qui se mord la queue. Mais il arrive que l'Ouroboros soit imaginé par un simple serpent ou dragon de forme circulaire. Il est parfois représenté sous les traits d'un Ouroboros lemniscate. Lemniscate désigne le seul symbole infini, un 8 renversé à l'horizontale. On le retrouve aussi sous la forme de deux serpents roulés entre eux, comme nous le verrons un peu plus bas. Le serpent qui se mord la queue est un symbole représentatif de nombreux concepts philosophiques, spirituels et mythologiques. Que symbolise l'Ouroboros ? Signification de l'Ouroboros. L'Ouroboros représente la nature cyclique infinie de l'univers. Le cycle éternel de la vie et de la mort, de la création et de la destruction. Il mange sa propre queue dans un éternel renouvellement, ce qui signifie l'Ouroboros. C'est le concept d'éternité. Et celui de changement perpétuel. L'Ouroboros symbolise un cycle. Et le S du dollar, très clairement, symbolise le cycle. Ce symbole fait référence à l'idéologie voulant que l'existence soit un cycle de renaissance constant. Il n'y a donc pas vraiment de mort, mais une continuité de la vie. C'est pourquoi il y a un lien avec la nature cyclique du temps. L'avenir dévore le présent pour créer une chaîne infinie de moments qui meurt et renaît à chaque instant. Très intéressant. L'Ouroboros symbolise aussi l'équilibre et la clé de l'harmonie du cosmos. Un symbole de dynamisme primitif et anarchique qui précède sa création et l'émergence de l'ordre. Et comparable au yin et au yang chinois qui représente l'équilibre des forces contraires. Feu et eau, lumière et ténèbres, bien et mal. Il est très important dans la symbolique religieuse et mythologique de nombreuses civilisations. L'Ouroboros est aussi un symbole alchimique qui représente la nature circulaire de l'œuvre alchimiste. Sa signification aussi associée au gnosticisme et à l'hermétisme. C'est intéressant l'hermétisme et le serpent, là, ici, dans le 2019. Une sorte de serpent, mais un peu reptile, ce fameux pangolin avec ses écailles. Quand même intéressant. L'Ouroboros infini. L'Ouroboros, serpent, a une signification d'infinité. Il représente la réincarnation de choses qui ne meurent jamais, mais qui changent éternellement. Le temps, le commencement et le cycle vie, l'achèvement, la répétition de l'histoire, l'autosuffisance de la nature et la renaissance de la terre sont aussi des significations pouvant être lui rattachées. Il n'est donc pas étonnant que le serpent Ouroboros soit le symbole mathématique actuel de l'infini sous sa forme lemniscate. Ces représentations de la double boucle, comme un serpent mange sa queue, mangeant sa queue, sont aussi connues aujourd'hui dans l'art et la littérature fantastique. Le double Ouroboros, l'Ouroboros double, est un symbole distinct de celui de l'Ouroboros 1. C'est un cycle plus complexe car il est composé
deux serpents mêlés qui se mangent la queue l'un de l'autre. Aussi appelé Ouroboros au Rhin, on ne sait pas exactement qui a inventé ce symbole, ni à quelle époque, mais les symboles formant le cartouche du pharaon Ramsès III contenaient déjà un double Ouroboros. Donc ça remonte. Certains chercheurs suggèrent que le signe infini, le lemniscate mathématique, est dérivé du double Ouroboros. Il fut aussi repris par les anciens alchimistes et certains utilisés pour symboliser la volatilité alchimique d'un élément. L'Ouroboros de l'histoire sans fin, comme le film à l'histoire sans fin, est aussi un double, c'est l'amulette de l'aurore. Et d'ailleurs au centre de l'intrigue du film. C'est suite à la popularité du film en 1984 que les deux serpents qui se mangent la queue sont devenus un symbole très demandé aux tatoueurs. L'Ouroboros animal ou animaux, le serpent Ouroboros le plus célèbre. La représentation du serpent qui se mange tout seul nous vient des cultures grecques et égyptiennes. C'est un animal totem symbolisant la renaissance cyclique. En raison de sa capacité à muer, il n'est pas étonnant que l'Ouroboros soit représenté sous les traits d'un serpent. Il existe de nombreux cas de serpents réels se mangeant leur propre queue, et ce pour deux raisons. Les serpents ont un petit cerveau, et sont plus réactifs que proactifs. Ainsi, ils confondent parfois les mouvements rapides de leur propre queue avec une proie. Non. Les serpents sont pas utilitaires. Leur température corporelle varie avec leur environnement. S'ils ont trop chaud, ils peuvent être désorientés. Ils peuvent alors, à tort, qu'ils ont faim et se mettent à vouloir manger à tout prix. Ils peuvent ainsi arriver qu'ils se mettent à avaler leur propre queue. Malheureusement, une fois que le serpent se voit la queue, il ne peut pas s'arrêter. Bien qu'il ne puisse pas se manger tout entier, il peut mourir en essayant. Et former un réel et macabre Ouroboros serpent. L'Ouroboros dragon est une créature mythologique. Dans certaines cultures, l'Ouroboros est représenté sous le trait d'un dragon. Souvent, cette créature prend la forme d'un dragon serpent. Elle a une forme plutôt longiligne et ne ressemble pas aux dragons européens massifs et possédant de grandes ailes comme les wyvern et les vouivres. Dans la mythologie nordique notamment, le dragon Ouroboros Jormungand, j'en ai parlé hein, dans le fameux Ragnarok, est représenté comme ceinturant le monde en mordant sa queue. Un Ouroboros lézard. L'Ouroboros cataphratus, aussi appelé lézard d'Armadie ou Cordyl cataphract, est une espèce de saurien du désert sud-africain. On voit le drapeau de l'Afrique du Sud, dans le 2019, c'est intéressant, par rapport en face du serpent. C'est intéressant de voir ici cette symbolique, effectivement, de l'étoile, hein, pour le coup, l'étoile à cinq branches, avec les deux jambes en dessous. Et puis pour le coup, on a deux côtés ici. C'est intéressant de voir l'Ouroboros et l'Afrique du Sud ici. L'Artemisia aussi. Très, très intéressant. Puis, ouais, ici, hein, effectivement, avec les cinq étoiles, on peut aussi symboliser Marie, symboliser un peu comme ça. C'est très, très, très intéressant. Sa particularité, son amère d'écaille qu'il recouvre intérieurement, ce reptile se recroqueville sur lui-même lorsqu'il se sent menacé, rappelant alors un Ouroboros. C'est pour ça que ça fait penser aussi au pangolin. Une fois qu'il est dans cette position, les autres parties de son corps agissent comme une protection pour son ventre vulnérable. Le lézard Ouroboros peut rester dans cette position chez lui. Sa défense unique au monde le met à l'abri des prédateurs comme les serpents et les mangoustes. Même s'il peut avoir l'air dangereux, mis à part ses redoutables écailles, cet Ouroboros reptile est totalement inoffensif pour l'homme. Il est en revanche menacé par le braconnage et le commerce illégal. C'est pensé au pangolin, effectivement. C'est quasiment du pangolin. Origine de l'Ouroboros, l'Ouroboros de Tutankhamon. Les anciennes traces de l'Ouroboros et son origine étant découvertes remontent à 1600 ans avant Jésus-Christ en Égypte. Le symbole se sera ensuite transmis aux Phéniciens puis aux Grecs qui lui ont donné son nom. Pardon. Le plus ancien symbole d'Ouroboros connu apparaît sur un sanctuaire d'or dans la tombe de Tutankhamon. Il a été trouvé dans les hiéroglyphes dans la chambre du sarcophage, le serpent mythique entourait les pieds et la tête du pharaon, symbolisant son statut de divinité éternelle dans l'au-delà. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est impressionnant. Là. C'est une découverte de Howard Carter quand même. D'ailleurs, j'ai été voir l'exposition à la Villette de
Pourtant, comme en septembre 2019, c'était quand même assez impressionnant. L'Ouroboros, c'est une légende universelle. Les civilisations de toute l'histoire ont leur Ouroboros, même celles qui n'avaient aucun lien commun. Ce symbole a été vu dans l'Égypte antique, au Japon, en Inde, dans les textes alchimiques grecs, les gravures sur bois européennes, les tribus amérindiennes et les temples précolombiens. L'Ouroboros a parfois été directement associé à des symboles aussi divers que le dieu romain Janus, le Yin Yang chinois, serpent biblique dans le jardin d'Éden. Il y a même un Ouroboros sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 2789. Oh, l'œil d'Horus avec les classiques. Ça vous laisse plutôt peut-être plus la franc-maçonnerie. Et puis l'Ouroboros. C'est-à-dire que voilà, c'est cyclique finalement. Les choses sont cycliques. Ouroboros dans la mythologie. Ouroboros en Égypte, le serpent Gatoum. L'Ouroboros apparaît dans le livre égyptien de l'autre monde, aussi appelé livre des morts. L'Ouroboros égyptien était populaire après la période Amarna. Dans le livre des morts, il est dit que le dieu soleil Atum est sorti des eaux du chaos avec un serpent. L'animal était immortel car il se renouvelait chaque matin. L'Ouroboros, dans ce contexte égyptien originel, symbolisait la répétition, le renouvellement, le cycle éternel du temps, voire parfois le soleil lui-même. Le symbole se réfère au mystère du temps cyclique. Les anciens égyptiens comprenaient le temps comme une série de cycles répétitifs, au lieu de quelque chose de linéaire en constante évolution. Au centre de cette idée était l'inondation du Nil et le voyage du soleil. Un soleil prédécent de l'Ouroboros apparaît aussi dans le texte alchimique La Chrysopée de Cléopâtre l'alchimiste. Une égyptienne différente de la reine des Cléopâtre. C'est un traité d'alchimie très ancien, datant du 2e siècle à Alexandrie, qui aborde le sujet de la pierre philosophale. Ensuite, ça parle de l'alchimie. L'Ouroboros grec, l'être selon les Grecs qui ont donné son nom à l'Ouroboros. Hein. Philosophe grec, Platon a décrit un être circulaire et autophage comme le premier être divin de l'univers, comme il était absolument seul dans le cosmos. Cet être primordial avait quelques particularités, il n'avait pas Dieu. Qu'elle n'avait rien à voir devant lui, pas d'oreilles, qu'elle n'avait rien à entendre, pas de poumons, qu'elle n'avait rien, qu'il n'y avait pas d'atmosphère à respirer, pas d'organes pour manger ou boire, car il n'y avait aucune nourriture, aucune eau, pas de membres, qu'elle n'y avait nulle part où aller. Par contre, qui se défendre et rien à attraper. Image intéressante ici. C'est ainsi que l'Ouroboros de la philosophie grecque fut créé. Ses propres déchets fournissant sa nourriture, tout se perd, rien se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Très clair, hein, par rapport à l'Ouroboros aussi. Tout ce qui a influé sur son existence ayant été causé par lui-même. L'alpha et l'oméga du cosmos, le début et la fin de toute chose. Étant donné sa condition de forme sphérique, lui fut donné par les créateurs, afin qu'il puisse effectuer un mouvement circulaire infini sur lui-même. L'Ouroboros grec symbolisait ainsi l'éternité et l'âme du monde. L'essence de l'Ouroboros est également présente à un autre niveau dans la mythologie grecque. Il s'agit de la représentation de forces naturelles, comme le soleil, la lune, les vagues de la mer. Ce serpent est aussi lié au mythe de Sisyphe et à l'Hélium. Dans cette légende, Sisyphe est forcé de pousser une lourde pierre parfaitement ronde en haut d'une pente raide. Mais avant d'atteindre le sommet de la colline, la pierre roule tout en bas. Sisyphe est donc condamné à recommencer chaque jour depuis le bas de la colline, et ce pour l'éternité. Contrairement à l'idée reçue, les couleuvres d'Esculape s'enroulent autour du caducée d'Hermès, ne sont pas apparentés au symbole de l'Ouroboros, mais symbolisent le commerce. De même pour le bâton d'Asclépios avec un serpent roulé autour, symbole de la médecine. Donc là, on a vu Jean Gourmand déjà, le Ragnarok, on a déjà vu tout ça. L'Ouroboros asiatique, le Yin et le Yang. L'Ouroboros dans le bouddhisme, la mythologie chinoise, est assimilée au symbole du Yin-Yang et à la liaison des opposés. Dans la culture chinoise, l'univers a été divisé entre la terre, en bas, et le ciel. Ceux-ci ont donné l'idée d'opposer formant une unité. Chacun des opposés puissants et leur unité finale l'est aussi pour la création de l'univers. Le créateur a imaginé la reproduction pour concevoir de nouvelles choses. Aujourd'hui, la reproduction a buté à l'union des deux opposés. L'homme et la femme. Les Chinois croyaient que la lumière et ténèbres, en tant qu'opposés idéaux, produisaient de l'énergie créatrice, sauf qu'ils étaient unis.
Les deux opposés étaient le yin et le yang, et leur unité s'appelait Qi. Le robot chinois symbolise cette unité. Le yin yang a probablement été transformé en un symbole appelé Ouroboros lorsque la chimie chinoise a atteint Alexandrie. C'est un serpent. Il est donc le symbole de l'âme. La tête et la partie antérieure de cet Ouroboros yin yang sont claires comme l'âme. Sa queue et sa partie postérieure sont foncées, représentant le corps, l'âme et le corps étant deux employés s'unissant pour former un tout l'homme. C'est bien développé de bien lire. Comme ça, je peux faire une deuxième partie, parce que sinon, ça fait trop. On est bien d'accord. L'Ouroboros est représenté ici en noir et blanc, c'est l'âme cosmique, la source de toute création. On retrouve cette symbolique de ce qui s'apparente à l'Ouroboros du Japon, dans la mythologie nippone et le Reiki. Mésoamérique, Ouroboros, Maya et Aztèque, les civilisations précolombiennes, avaient des dieux semblables. Par exemple, il est probable que le dieu serpent Quetzalcoatl, vénéré par les Aztèques et les Toltecs, était vénéré par les Mayas sous le nom de Kukulkan. Ce Kukulkan Ouroboros est parfois représenté en train de mordre sa queue sur les ruines mayas. Quetzalcoatl était un dieu bon qui apportait la connaissance à son peuple. L'Ouroboros Quetzalcoatl Aztèque est sculpté sur la base de la pyramide du serpent en plume datant de 650 à Xochicalco au Mexique. La signification de l'Ouroboros n'est pas claire concernant la société aztèque, mais la pratique du sacrifice humain à Quetzalcoatl indique qu'il devait probablement symboliser le lien entre le monde des vivants et celui des dieux ou des morts. Bah, heureusement, ce genre de choses, c'est en pratique. Ça, c'est triste. Hein. Alors aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas de preuves, on a bien vu dans la zone 51 qu'il se passe des choses quand même, c'est assez étrange quand même. Le robot dans le yoga et l'hindouisme. Et pas que là-bas, pas que dans ce sous-sol-là, on est bien d'accord. Dans la mythologie indienne sanscrite, un dragon entoure la tortue qui porte sous son dos les quatre éléphants soutenant le monde. C'est intéressant, l'éléphant et l'éclair, on le trouve parfaitement. Parfois artistiquement, il serait comme Ouroboros Mandala. Dans le yoga, le serpent qui mange sa queue a deux significations. L'Ouroboros de la Kundalini symbolise le concentré d'énergie spirituelle se trouvant dans le bas de la colonne vertébrale et influençant les chakras. Voici comment la Kundalini est décrite par Bouddha dans les textes sacrés hindous. La Kundalini brille comme la tige d'un jeune lotus, comme un serpent roulé sur elle-même. Elle tient sa queue dans sa bouche et se repose à moitié endormie comme base du corps. L'Ouroboros du karma dans le sanskrit s'inscrit dans le cycle infini des causes et conséquences des actes bouddhistes. Et les conséquences de cela sur son cycle de réincarnation. L'Ouroboros en islam est le Farvar zoroastrien, les albigeois d'Albi du catharisme, à ne pas confondre avec les albigeois qui sont les habitants de la ville d'Albi en France. Venait d'Arménie, dans cette région, le zoroastrisme, une religion monothéiste de l'Iran ancien. Les représentations du dieu iranien Mitra étaient courantes. Ce peut que l'Ouroboros soit entré dans leur iconographie pour l'emblème du Farvar zoroastrien, qui dans certaines versions présente clairement un Ouroboros au niveau de la taille plutôt qu'un simple disque. Dans les cultes, la figure de Mitra en train de renaître est parfois représentée enveloppée d'un Ouroboros indiquant sa nature éternelle et cycliste. Même les références qui ne mentionnent pas ces créatures attestent de cette forme circulaire comme symbole de l'immortalité de l'âme ou de nature cyclique du karma. L'Ouroboros dans l'astrologie. Dans la mythologie antique européenne, l'Ouroboros est aussi un symbole astrologique représentant la Voie lactée. Le mythe fait référence à une constellation Ouroboros, un serpent de lumière résidant dans les cieux entre les astres. Selon les légendes cosmiques, ce serpent mangerait sa propre queue. Ah, il s'agit en fait de la constellation Fucius, aussi appelée Serpentaire, se situant entre la constellation du Scorpion et celle du Sagittaire. Cette constellation est inscrite dans la majesté de Ptolémée est visible entre 80 degrés nord et 90 degrés sud. Elle représente un homme qui tient un serpent dans sa main. On a vu ça ensemble. Ouroboros de la religion chrétienne et la Bible. Les chrétiens ont adopté l'Ouroboros dans la Bible comme symbole de la différence entre l'intérieur et l'extérieur du monde selon la vision. En système fermé de l'univers, dans la Genèse, le symbole spirituel de l'Ouroboros personnifie aussi la nature transitoire et autoconsommatrice d'une simple existence suivant les traces du prédicateur dans Ecclésiaste, livre de la Bible hébraïque. L'Ouroboros africain, Aido Wedo. Les serpents sont sacrés dans de nombreuses religions ouest-africaines. Le demi-dieu Aido Wedo est souvent représenté par l'image d'un python qui se mord la queue.
Il sera à l'origine de la création du monde. L'Ouroboros est également présent dans l'iconographie du peuple Fon ou du peuple Taomega, ainsi que dans l'imagerie Yoruba, comme Oshomare. Effectivement, je parlais des Yoruba par rapport au récit Ibira, au Nigeria, effectivement. C'est intéressant de faire le lien par rapport au récit Ibira. L'Ouroboros dans le gnosticisme, un mouvement de pensée prenant place au 2e et 3e siècle dans l'Empire romain selon la philosophie gnostique. Les humains sont des âmes divines enfermées dans des corps mortels par un dieu malveillant. Les Ouroboros étaient importants pour les gnostiques. L'opposition entre la tête et la queue des Ouroboros était interprétée comme divine. Ils transposaient cela à l'âme et au corps chez l'homme. Deux composants a priori contraires, mais qui à eux deux forment un tout. Cette vision manichéenne, distinction entre âme et homme, fait quoi la philosophie zoroastrienne de la Farvahar. Pour terminer dans l'alchimie, la plus ancienne apparition du symbole en alchimie se trouve dans un traité alchimique datant du 2e siècle, écrit par Cléopâtre l'alchimiste. Alors, manuel alchimique et Chrysopée. Chrysopée étant fabrication de l'or par transmutation, Cléopâtre contient un dessin d'Ouroboros représentant le serpent à moitié clair, à moitié sombre. Ceci illustre la double nature des choses, mais surtout que les opposés ne sont pas en conflit. Bien au contraire, le livre est principalement centré sur l'idée que l'un est tout, un concept qui est lié à la sagesse hermétique, un concept apparemment appartenant au monde de l'ésotérisme. Comme le soleil, l'Ouroboros a fait son propre voyage d'Égypte, il a trouvé son chemin vers les alchimistes grecs d'Alexandrie et se traité sur la chrysopée. Nous étant ainsi parvenus via des sources grecques, on a pu y découvrir sur le parchemin de la fameuse inscription grecque, l'un et tout, cette maxime, bien connue de l'alchimie et enseigne qu'à l'intérieur de tout ce qui est bon, il y a quelque chose de mauvais. À l'intérieur du mal, il y a toujours quelque chose de bon. L'ouroboros comme symbole alchimique. Dans la pratique ésotérique de l'alchimie, ce symbole exprime l'unité de toutes les choses, matérielles et spirituelles. Il exprime le fait que celle-ci ne disparaît jamais, mais change de forme dans un renouvellement continu et un cycle éternel de destruction et de création. Un serpent est souvent un symbole de résurrection car il semble renaître continuellement en perdant sa peau lorsqu'il mue. Cela est décuplé avec l'ouroboros qui tourne en rond sur lui-même tout en mangeant sa propre queue. L'ouroboros en alchimie symbolise aussi l'esprit de Mercure, la substance qui imprime toute matière, la prima materia, le cycle de la vie et de la mort, le conscient et l'inconscient, l'unité éternelle de toute chose, le cycle de la naissance et de la mort dont l'alchimiste cherchait à percer le secret. On retrouve donc ici encore la signification universelle de ce serpent, l'harmonie et l'unité des opposés. En alchimie, les ouroboros symbolisent le travail de l'alchimiste qui unit les opposés. Alchimiquement, le serpent en s'enroulant sur lui-même est aussi utilisé comme glyphe purifiant. L'alchimie de la Renaissance, pour terminer, les ouroboros continuaient à jouir d'une grande popularité parmi les alchimistes de la Renaissance, représentant encore une fois l'infini du temps et de l'éternité. Ce symbole du serpent était considéré aux yeux des alchimistes comme l'ultime obstacle à surmonter dans l'eau plus malheureux. Devenir immortel, leur but premier, signifiait briser une fois pour toutes les cycles incessants de l'ouroboros possédant la précieuse pierre philosophale qui leur porterait une richesse inouïe, n'étant qu'une cerise sur les gâteaux. Les alchimistes de la Renaissance voyaient donc les ouroboros comme une vision à laquelle il fallait échapper. Ils étaient ainsi à la recherche d'une éternité linéaire plutôt que cyclique. Alors, on a l'ouroboros et les sociétés secrètes, le symbole pour terminer. Le symbole ouroboros apparaît dans les filigranes imprimés en albigeois 1445 et également utilisé dans les cartes à jouer et les cartes du tarot de l'époque, un symbole ancien couramment utilisé, un as de tasse entouré d'un ouroboros apparaît fréquemment parmi les filigranes albigeois. Il est concevable que ce soit là la source de certaines légendes urbaines associant ce symbole à la société secrète, car les albigeois étaient étroitement associés au mouvement humaniste et à l'inquisition qui suscitait. L'ouroboros et franc-maçonnerie, un symbole maçonnique représenté sur de nombreux sceaux, francs-cipis, d'appareils autres images, surtout durant le 7e siècle, et toujours représenté en compagnie. D'autres symboles de la franc-maçonnerie se signent aussi, présents dans le sceau de la société théosophique, d'Elena Blavatsky notamment, aux côtés d'autres symboles traditionnalistes et spirituels. Et puis après, on a
a d'autres choses malfaisantes. Oh, je passe, bien sûr, pas non plus développer seul, Ouroboros en psychologie. Le psychologue suisse Carmine a interprété les Ouroboros comme ayant signification puissante de psychisme humain. Ce serpent se ferait un chemin dans notre esprit conscient à maintes reprises sous des formes variées. Jung a défini la relation des Ouroboros à la chimie. Dans l'image de l'Ouroboros se trouve l'idée de se dévorer soi-même et de se réincarner psychiquement sous un nouveau jour. L'Ouroboros est un symbole d'intégration et d'assimilation du contraire, c'est-à-dire de la part d'ombre. Ce processus est en même temps un symbole d'immortalité, puisqu'on dit de l'Ouroboros qui se tue et s'anime, se féconde et se donne naissance à lui-même. Il est symbolisme unique qui naît de la rencontre des contraires. En cela, serait-il imaginaire constitue le secret du primaire intérieur. En psychologie, le primaire intérieur fait référence à l'inconscient. Le psychologue jungien Erik Neumann parle de ce serpent comme l'une des représentations de l'état de l'homme. Pour lui, l'Ouroboros fait le lien entre l'enfance de l'humanité dans son ensemble et l'enfance d'un seul individu. Le symbolisme cyclique de ce serpent peut aussi être interprété en psychologie comme l'effort éternel pour mettre fin au problème de la vie, mais puisque le cycle recommence, l'effort est inutile car les problèmes reviennent inlassablement. Puis on, là aussi, en chimie, on l'a un peu partout, tatouage et signification aussi. Voilà. On finit cette première partie. En même temps que la vidéo, je vais faire une petite pause et puis on va attaquer la séquence socio-économique. On a quand même plus de 2 heures de vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos informations complémentaires concernant cette situation, notamment aux États-Unis politiques et ésotériques, pourquoi pas. Vous apporter des informations. Et juste après, j'attaque le secteur économique, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. J'aimerais bien développer aussi avec une autre vidéo, pourquoi pas plus de 2 heures aussi, on verra bien. Donc, merci de m'avoir suivi pour cette première partie de la cette première séquence hein, de la 8e partie du décryptage. Merci pour vous recevoir et vos abonnements, vraiment, ça fait vraiment plaisir à vos cœurs. Je vous remercie et à tout à l'heure pour la seconde partie. Merci et à tout à l'heure.